Cette seconde session sur expression et expressivité. Donc, c'est une session où euh, voilà, nous avons pu faire venir notamment euh, un pack des Parisiens, mais des gens qui viennent euh, du rond-point euh, de Kroll euh, en Isère, des gens qui viennent de, de Bretagne. Euh, c'est une session qui m'a semblé importante. J'en avais discuté notamment avec, euh, avec Dominique Cardon. Il y a, à mon avis, des nouvelles formes d'expression et d'expressivité qui sont apparues euh, chez les Gilets jaunes. Il y a euh, deux lieux, ou je dirais deux dispositifs en particulier. Où euh, ce renouveau apparaît, c'est évidemment, évidemment les ronds-points. Voilà. Là, il y a vraiment une grosse thématique autour des nouvelles formes d'expression, d'expressivité et euh, de communauté, euh, je dirais à partir du dispositif du euh, rond-point. Et puis les plateformes. Donc, on a parlé tout à l'heure euh, du live, des liveurs, le Facebook Live. Maxime nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais pas que lui. Euh, voilà, Il y a eu il y a un, un, un grand renouveau qui est apparu avec le Facebook Live et qui a donné lieu à de nouvelles formes d'expression et d'expressivité. Ce qui m'a intéressé dans cette session, c'était de montrer qu'il euh, y a une certaine diversité en fait des pratiques. Euh, parmi le mouvement des Gilets jaunes, il y en a qui sont beaucoup plus connectés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et j'espère qu'on va pouvoir, à travers cette session-là, mettre en relief cette diversité dans les pratiques et, et les usages. Je ne sais pas qui est ce qui a envie de, de commencer euh, par s'exprimer. Euh, moi, j'aurais d'abord envie de donner la parole à, à ceux qui, euh, faisant allusion à un entretien que j'avais euh, réalisé avec Précilia Ludowski euh, il y a maintenant euh, pas mal de mois, euh, et dans cet entretien, Précilia expliquait que, voilà, elle, elle nous faisait part de son, de son, de son aventure politique à travers les réseaux sociaux euh, numériques et euh, son usage de Facebook en particulier euh, lui avait permis notamment euh, mais avant ça de, de change.org euh, d'acquérir euh, voilà le, le, la, 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 la notoriété qu'elle a euh, aujourd'hui et donc euh, elle, a, elle est entrée dans un certain rapport et dans un, un certain usage avec, euh, avec Facebook. Et je crois que c'est assez inédit euh, dans l'histoire de la politique euh, française. Comment est-ce qu'on peut acquérir une telle notoriété politique euh, par une plateforme euh, numérique Peut-être, Précédia, tu voudrais commencer, si ça ne te dérange pas Alors oui, euh, je me souviens de cette discussion qu'on avait eue. Et euh, effectivement, euh, je, je pense que c'est euh, quelque chose qui s'observe depuis un certain temps que euh, les, les plateformes numériques servent pas mal à s'exprimer lorsqu'on est euh, en dehors des sphères de lutte habituelles. Et qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes canaux de communication que, euh, que les personnes qui sont engagées depuis un certain temps. Quand, surtout quand on ne sait pas par où commencer, je pense que spontanément, que ce soit pour le militantisme ou autre chose, on, on pense spontanément aux, aux réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai que pour ma part et mon expérience, ça a été change.org la première entrée, parce que je recevais déjà des notifications de change.org qui m'invitaient à signer des pétitions, mais pas que ce, cette plateforme, mais je recevais pas mal de cette plateforme-là. Et, euh, et j'avais déjà créé des pétitions avant ça sur cette même plateforme. Donc, euh, pour moi, ça a été euh, ça a été la, 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 le premier euh, le premier moyen de communication que j'ai eu euh, lorsque j'ai lancé ma pétition. Et, euh, et c'est sûr que on dit beaucoup que les gens ne lisent plus trop, qu'il faut être concis, qu'il faut être précis, qu'il faut utiliser des termes qui, a, qui attirent euh, l'attention. Et euh, sauf que pour ce que j'avais à dire, j'avais besoin de, de de déballer pas mal d'informations, donc euh, j'étais pas certaine non plus que ça, ça trouve euh, un intérêt de l'autre côté, mais euh, voilà, euh, c'est par ce bout-là que je l'ai pris, et effectivement, il euh, y a une certaine limite, parce que les plateformes de pétition euh, ne permettent pas ensuite d'échanger régulièrement, il n'y a pas d'interactivité avec les, les personnes qui signent la pétition en question. Donc même si on a à un moment donné un espace de commentaires et, de, et, et que les gens, peuvent ensuite s'exprimer en donnant leur avis ou en expliquant pourquoi ils ont signé cette pétition ou pourquoi ils ne veulent pas la signer, ça peut être aussi l'inverse. Il euh, y, y a une certaine limite. Donc, à, à partir de ce moment-là, je suis sorti de la plateforme pour aller vers les réseaux sociaux euh, pour pouvoir euh, communiquer plus largement. Et effectivement, naturellement, j'étais déjà sur Facebook à titre personnel et euh, pour le travail. Donc, euh, pareil, naturellement, je suis allé vers les outils que j'utilisais déjà. Donc, euh, Facebook. J'avais pas créé de page dédiée, c'était l'étape euh, suivante que j'avais prévue, mais euh, tout a été très vite, je pense, si on s'en souvient. Donc euh, j'ai euh, ensuite euh, communiqué la pétition sur, les, sur Facebook, en entrant dans les différents groupes, en expliquant pourquoi. Parce que ce qui est intéressant dans, chaque, dans les groupes, c'est qu'on a la possibilité de filtrer les, les personnes qui adhèrent au groupe. On pose un certain nombre de questions dans les formulaires, donc j'ai répondu à ces formulaires là. En expliquant ma démarche, pourquoi j'avais fait cette pétition, pourquoi je voulais entrer dans le groupe, alors que je, le thème du groupe n'était pas celui de la pétition, donc il fallait s'exprimer là-dessus et s'expliquer. Ce n'était pas évident que les administrateurs des groupes acceptent que je rentre pour pouvoir partager la pétition, mais ça a été euh, assez largement accepté. Et, euh, et ça a été le, la, deuxième, euh, la deuxième étape, le euh, deuxième moyen de communication que j'avais. Donc pas mal les réseaux sociaux, Twitter. Euh, et, euh, et ensuite voilà ça, ça, l'effet boule de neige c'est que sur les réseaux sociaux soit ça prend soit ça prend pas donc là en euh, l'occurrence il y a eu énormément de partages et euh, il a fallu ensuite assurer euh, le relais d'informations euh, en retournant sur la pétition parce que sur la pétition on a la possibilité de créer des articles pour mettre à jour des informations enfin pour communiquer des informations en publiant des, euh, des, des infos, en partageant des, 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 des précisions supplémentaires qu'on aurait, en, avance, en, en expliquant comment on avance dans sa pétition et, euh, et du coup, voilà, c'est là qu'on qu voit certaines limites, c'est qu'il n'y a pas de pont entre les plateformes de pétition et euh, les, les plateformes de réseaux sociaux pour qu'on puisse com communiquer avec les, les signataires. Donc, ce n'est pas dit que les personnes avec qui je communiquais sur les réseaux étaient les, étaient les signataires de la pétition, il y en avait. Mais de l'autre côté aussi, côté pétition, il n'y avait, avait pas forcément des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à, à quel moment on arrive à communiquer avec ces personnes-là qui ne sont pas du tout sur les réseaux. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Euh, quand on n'est pas une agence de com, qu'on n'a pas d'outils à sa disposition pour communiquer autrement, on fait avec euh, les moyens du bord. Et ensuite, moi, je suis, là, je suis sorti de, des réseaux sociaux. Pour euh, ben après, ça a été autre chose. Ça a été les, mon autre moyen d'expression, ça a été les médias, la radio, la télé euh, et, euh, et les, les, les journaux. Voilà, donc ça a été ce chemin-là pour, pour m'exprimer. D'accord, merci. Bon, on, je, comme tu as une intervention un peu plus courte, on, on, on reviendra un peu plus, plus tard à, à l'expérience que tu vis maintenant, puisque je crois que tu as, tu es, tu as voulu fonder d'autres choses, notamment une nouvelle plateforme numérique. Donc tu auras, j'espère, l'occasion de nous en reparler un peu plus tard au sein même de cette session. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie de prendre la parole euh, Oui, je vais bien rebondir, parce qu'il se trouve que j'ai lu l'interview ce matin, donc je l'ai bien en tête. Euh, bon, Benjamin Coriat, moi je suis cofondateur des économistes atterrés, je, mais c'est pas à ce titre-là que je suis là. Je suis là comme chercheur, euh, un chercheur sur les communs et les biens communs, donc en particulier la question des communs numériques. Alors, moi je, je voudrais dire deux choses, adresser deux messages euh, en m'appuyant sur ce que vient de dire euh, euh, Priscilla. D'abord, mon premier message, c'est... Euh, grandeur et misère des plateformes numériques et même des communs numériques. Alors, grandeur, c'est évident, hein, parce que je veux dire, sans euh, les plateformes numériques, j'inclus là-dedans euh, les journaux, euh, j'inclus là-dedans euh, les plateformes d'échange euh, d'informations, etc. Euh, et euh, évidemment, j'inclus aussi euh, les prédateurs, hein, c'est-à-dire euh, Facebook, Google, etc dont il faut bien euh, se servir. En tout cas, on est plus ou moins contraint. Donc, grandeur, parce que, incontestablement, par rapport aux médias officiels, etc., ça permet de faire irruption. Hein, je veux dire, l'exemple de Priscilla, de quelques autres, est très significatif. Ça permet d'apporter une information complètement nouvelle, euh, inattendue, euh, et non seulement l'information, mais aussi des questions. Hein, donc, il y, y a un truc assez formidable qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui est du rond-point euh, à la plateforme. Hein, et où il y a plein de choses qui sont arrivées. Moi, je dois dire que, comme, comme beaucoup de gens, j'étais très attentif à ce que faisaient les Gilets jaunes. C'est à partir du moment où j'ai vu euh, une série de, 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 de revendications, hein, allant euh, des retraites à, euh, euh, au, au mieux vivre dans différents aspects, que euh, définitivement, je me suis dit, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. C'est vraiment formidable. Bon, voilà. Et ça, c'est venu des, des, des ronds-points et c'est arrivé aux plateformes. Donc, voilà. Euh, euh, grandeur, mais aussi misère, hein, mais aussi misère, et pourquoi je dis ça Parce qu'on va continuer à les utiliser, mais il faut qu absolument qu'on le dépasse. Misère pourquoi Parce que d'abord, c'est très excluant, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne fréquentent pas les plateformes, hein, et des gens très importants dont on a besoin. Bon, euh, 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 excluant aussi parce que derrière euh, l'apparence, euh, ça c'est mon métier, hein, les plateformes numériques je connais, derrière l'apparence... La, Pair à pair, etc. Il y a des formes centralisées, euh, camouflées, des formes de hiérarchie euh, camouflées, qui sont, qui sont très importantes. Et, et je crois qu'il faut qu'on se le dise hein, euh, entre nous. Bon, voilà. Euh, et donc, voilà, c est, c est, tout ça, c'est très bien. Et c'est très bien pour l'échange. Hein, euh, mais, euh, c'est mon deuxième point, c'est le deuxième message que je voudrais adresser très rapidement. Pour arriver à la délibération hein, et à l'action, les plateformes, c'est très insuffisant. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de vraie délibération sur la plateforme. Il y en a, euh, paradoxalement, davantage dans les ronds-points. Euh, et ce dont il faut qu'on soit, qu qu soit capable de construire, c'est euh, entre la plateforme et l'Assemblée, hein, euh, le rond-point étant appelé à jouer un rôle peut-être moindre que par le passé, mais l'Assemblée est certainement un rôle plus important, construire notre délibération, construire nos échanges. Euh, et, et pas seulement euh, échanger des informations, aller au-delà. Et aller au-delà, ça veut dire aussi, et je vais terminer là-dessus, vous voyez, je suis bref, en tout cas je l'espère, euh, euh, ça veut dire aussi euh, penser différemment à la démocratie. Euh, moi, je, je, évidemment, comme tout le monde, puisque j'ai la même expérience, bien qu'antérieure, euh, par rapport aux Gilets jaunes, je suis très sensible aux dimensions de... Euh, qui nous représente et surtout les dangers de la représentation. Bien, mais d'un autre côté, euh, si on ne franchit pas le pas euh, de dire que nos délibérations expriment des choses et que nous avons des mandants euh, qui sont euh, tributaires de ces choses partout où ils vont, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Alors, moi, je, je, je finis là-dessus. Je pense que en, en, en 1789. Il y avait ce qu'on appelait les tiers de confiance. C'est l'équivalent des élus d'aujourd'hui. Sauf que ces tiers de confiance, ils avaient des mandats. Et que lorsqu'on n'était plus content de ces mandats, ils disparaissaient. Et qu'ils n'avaient plus du tout le droit à la représentation. Alors, c'est des thèmes qu'on vous propose de discuter cet après-midi dans la table ronde en commun avec des historiens. Mais je pense qu'on en est là. On en est à consolider nos idées d'échange. Mais surtout, surtout, fabriquer de la délibération. Et fabriquer des tiers de confiance. Ce n'est qu'à cette condition que nos voix pourront être assez fortes pour porter dans la société, ce que, évidemment, j'espère. Voilà, merci. Merci, Benjamin. Qui est-ce qui a envie de, de réagir D'accord. Peut-être juste avant. Euh on aura l'occasion de reparler d'organisation et délibération plus profondément dans la dernière session de discussion, donc en début d'après-midi. Je pense qu'il euh, y a aussi euh, un intérêt et un enjeu à discuter des nouvelles formes technologiques d'expression et d'expressivité qui, en effet, permettent ensuite euh, certains protocoles et processus de délibération de s'accomplir. Donc là, j'aimerais quand même qu'on qu qu puisse arriver à, à, à cibler aussi l'enjeu de cette session pour ne pas manger sur l'enjeu de, de la session qui euh, viendra après. J'espère que du coup, je ne te euh, Écoute, c'est un petit peu ce que ce que je voulais. Ah, <laughs> ce que je voulais tu veux le dire mieux. Que pas en réponse, pour... euh, mais en, en discussion. Voilà. Donc Dominique Cardon, moi, je suis sociologue, je travaille sur le, 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 le numérique. Je suis vraiment très heureux d'être là. Je voudrais, en, comme beaucoup, remercier Igor d'avoir été euh, formidable. Dominique m'a beaucoup et, soutenu dans, cette, dans ce projet. Et et, et peut-être dire et, et voilà. Et, euh... Quelque chose moi, qui m'a vraiment intrigué, fasciné, je n'ai pas vraiment travaillé dessus, mais je voudrais. Voilà, qui est le Facebook Live. Voilà. Je suis addict en fait en réalité au Facebook Live et euh, Maxime, Priscilla, je, je vous fais énormément euh, regardé parce que je crois qu'il y a voilà, quelque chose de très intéressant au regard de la question qui nous réunit aujourd'hui, de la relation entre les formes politiques nouvelles qui ont émergé et puis la technologie. Et que. Avec toutes les critiques que je partage, évidemment, contre la plateforme, il y a quelque chose dans le Facebook Live qui est une forme de dénonciation politique, qui m'a semblé en tout cas euh, très original, qui a des propriétés euh, qui me semblent importantes, qui est quelqu'un qui parle devant une caméra à des dizaines de milliers de personnes. Et donc la question de la représentation se pose. Qui, qui est cette personne euh, quelle est l'autorité ou la légitimité de la voix de la manière dont elle s'adresse et il me semble qu'on a vraiment une sorte de configuration sociotechnique dans laquelle certaines des propriétés du dispositif technologique dans lequel cette parole s'inscrit favorise une manière de rendre légitime cette parole qui est assez spécifique et particulière par les interactions qu'elle permet par les commentaires qu'elle autorise et du coup on pourrait en dégager quelques voilà je vais dire très rapidement en observant simplement les facebook live il y a quelque chose d'une téléprésence euh, avec quand même des, des, des groupes euh, extrêmement importants dans lesquels le temps est continu mais les espaces sont discontinus. Et dans lequel on a connecté quelqu'un qui est chez soi, quelqu'un qui est dans un camion, quelqu'un qui est dans une voiture, quelqu'un qui est dans la rue. Tout d'un coup, ces espaces discontinus sont, sont, sont rapprochés et ils sont rendus sensibles par la possibilité d'interagir, de montrer les autres espaces, de montrer les, les, les entrées et les sorties, d'accueillir les personnes qui rentrent et qui sortent dans euh, le, le débat, de les souligner, de passer aussi de situations d'interaction où on est en train de parler à tout le monde à quelqu'un, où on est en train de demander si la fille va bien ou si etc. Donc dans cette manière finalement de fabriquer un collectif mais qui a une forme de téléprésence qui est assez originale en réalité on connaît assez mal ça le, le face à la personne face caméra et il me semble apporté là par le, le dispositif technologique c'est aussi une parole euh, affirmative mais qui se laisse interrompre et ça c'est assez fascinant on a euh, euh, un discours une personne qui est devant la caméra mais qui constamment attend des commentaires ou de la distribution de la parole avec les autres qu'elle les arrête qu'elle les oppose ou qu'elle apporte des informations. Donc on n'a pas une sorte de discours d'estrade. En réalité, on a un discours d'estrade, mais qui est euh, constamment aussi dans la possibilité de son interruption. Et je voudrais dire aussi, quand le Facebook Live se déplace dans la rue et qu'il est dans les manifestations, il filme, il marche avec les autres, à la différence de la caméra de BFM qui est posée pour voir la marche. Il marche avec les autres et il leur parle. Et donc, cette manière finalement d'intégrer la parole... Dans la parole euh, centrale euh, de, du, du liveur, euh, est euh, évidemment euh, très intéressante. C'est un incroyable carrefour informationnel. Moi, j'ai regardé pendant des heures. Moi, j'ai l'impression, mais c'est une question que j'ai envie de vous poser c'est incroyable le nombre de trucs que vous avez appris, que collectivement, vous avez appris parce qu'un tel amène des informations de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes, parce qu'on a rencontré telle personne. Et on a le sentiment aussi que se fabrique une sorte de partage collectif de connaissances et, et, et d'informations qui contribuent beaucoup. Alors je, je finis en disant que bon, voilà c'est quand même euh, une manière technopolitique on pourrait dire, de résoudre le problème de la délégation et du représentant. C'est-à-dire qu'est-ce qui fonde cette parole C'est Ce qui fonde cette parole, c'est ce qu'en fait, elle, elle manifeste, grâce à la possibilité technologique qui lui est donnée, l'existence, la présence du groupe qui la fonde, qui peut, chaque individu connecté, arrêter la parole pour la... Réorienter ou pour la questionner ou pour en débattre. Et en même temps, elle fabrique un personnage qui est le liveur euh, qui intervient. Et donc là, moi, je, je pense qu'il voilà, y, a, y a une, une forme intrigante. Euh, et je, je, je dis ça en soulignant qu'on va essayer de faire un atelier sur le, le, le live euh, tout à l'heure euh, pour ceux qui ont envie d'en en discuter. Merci beaucoup, Dominique. Je, ce que je souhaiterais maintenant, c'est quand même donner la parole avant tout. Euh, aux gilets jaunes et je pense que ça me semble plus intéressant que les chercheurs qui sont là et qui ont envie de dire des choses, on le sent. Hein, euh, S'expriment en réponse en fait aux témoignages qui vont être apportés par les gilets jaunes. Donc je, je m'excuse pour les prochains chercheurs, mais voilà j'aimerais maintenant que Faouzi, que Maxime, que Philippe, que Véronique, que Moïse puissent s'exprimer maintenant et puis après les chercheurs répondront. Donc Véronique tu voulais prendre la parole, Maxime je pense que c'est bien que tu la prennes aussi parce qu'il n'y a pas eu pas mal de trucs qui ont été dit. Voilà, donc je suis Véronique, je viens de, du rond-point de crawl et donc j'apporte beaucoup plus l'expérience de, de la vie d'un rond-point que les expériences de sociologues, philosophes, etc. qui sont là. Euh, déjà, il y a sur notre rond-point euh, pas mal de gens qui ne sont pas sur les réseaux. Ça représente bien 30% des gens. Et donc, ça va peut-être vous sembler bizarre, puisqu'on ne parle que de réseaux sociaux, etc. Mais le rond-point est devenu un lieu où finalement on crée ensemble, chacun apporte sa contribution et on crée ensemble ce, que, ce, que, ce dont vous aviez parlé, qui était créé au niveau national. Finalement, on le crée au niveau du rond-point. Et donc, il y a une vraie communauté, il y a une espèce d'entité de, de, organique, de, de gens qui, se, qui, je dirais, qui même qui se complètent. Et qui vivent, euh, qui vivent cette expérience de manière très, très forte, avec beaucoup d'implications, même si le nombre de Gilets jaunes fin de, euh, a tendance effectivement à diminuer. Euh, on a quand même des gens qui continuent à venir, qui continuent à, à nous soutenir de loin, etc. Mais tout le monde n'est pas sur les réseaux. Et les réseaux ont aussi créé des problèmes, justement, euh, parfois euh, Facebook, avec euh, la parole libérée. Et donc, ça a aussi apporté euh, pas mal de, de problèmes et de. de même peut-être d'un de, de, petit peu de guerre de rond-point ou des choses comme ça, parce que des, la parole n'est pas toujours euh, sympathique, on va dire. Et puis, en tant que, que Gilet jaune du repoint de Croix, je voulais quand même témoigner de l'évolution euh, de, de, de tous ces gens qui n'étaient pas forcément politisés, enfin, qui n'étaient en général pas politisés, et de voir comment, euh, comment par... Les réseaux, par toutes les informations qu'on a, par les médias libres qu'on a vus avant, hein, parce que si on n'est pas sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'informer. Euh, toute cette euh, cette euh, fait d'apprendre tous ensemble et qui fait qu'il y a une parole que je retiens et que j'ai envie toujours de, de donner, c'est euh, la parole d'une gilet jaune du rond-point qui dit euh, c'est incroyable ce que j'ai appris depuis le début de ce mouvement et plus j'apprends, plus je suis en colère. Et je trouve que c'est une très belle parole. Merci, Véronique. Maxime, tu veux prendre la parole Bonjour tout le monde. Merci pour les interventions qui ont eu lieu juste avant, mais aussi celles d'avant. Euh, peut-être que certaines personnes ici me connaissent, peut-être que d'autres ne me connaissent pas. Je préfère ceux qui ne me connaissent pas. Comme ça, ils n'ont pas d'idées préétablies. Euh, les réseaux sociaux, euh, vous le disiez tout de suite, ça a du bon et du mauvais. C'est un outil. Euh, D'ailleurs, il euh, y a eu une intelligence collective qui est géniale, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent pas cet outil, mais qui en utilisent d'autres. Et c'est ça qui est très important, parce que ça permet de faire ce genre de choses. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont des liens qui sont en dehors des réseaux, et qui permettent de mettre en contact des humains et pas des ordinateurs. Ce qui est quand même vachement plus pratique pour euh, mettre des choses en place, euh, et des choses concrètes. Quand vous euh, arrivez dans la vie euh, réseau social euh, et que vous, euh, comme disait tout à l'heure euh, Priscilla, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et ça, vous ne le choisissez pas. C'est pas préétabli à l'avance, sauf peut-être pour des bureaux d'analytique services euh, Facebook qui euh, bossent sur ça tous les jours. Mais pour des gens lambda comme moi, euh, par exemple, euh, quand vous allumez votre ordinateur et que vous lancez un live, euh, des milliards de lives sont faits euh, par jour sur la planète par des milliards de personnes et il y en a qui fonctionnent et d'autres pas euh, pour être honnête avec vous si j'avais su que toute ma vie allait être euh, effacée euh, parce que je serais de je, je suis devenu un personnage médiatique et non plus un être humain à part entière euh, j'aurais fait différemment j'aurais participé comme vous et j'aurais peut-être pas été médiatiquement euh, impliqué parce que c'est euh, c'est quelque chose qui détruit euh, la vie et euh, c'est pas simple tous les jours mais euh, c'est nécessaire parce que si on ne le fait pas, si on arrête les choses, il eh ben, y a des gens qui ne peuvent pas continuer à faire euh, bah, tout, ce que, tout ce que vous faites en fait, tous les jours. Et comme c'est euh, depuis le départ quelque chose qui est dans l'intérêt collectif, euh, cette, cette dynamique, elle, elle dépasse largement ce que des médias mainstream peuvent balancer sur leur chaîne de télé en disant qu'il n'y a que des gueux ou des pauvres dans les gilets jaunes. Euh, je crois qu'encore euh, une fois, aujourd'hui, ça prouve complètement le contraire. On a des chercheurs, on a des médias, on a des, euh, des étudiants, on a des personnes âgées, des jeunes, des femmes, des hommes. Enfin, on a tout le monde, et, euh, et c'est ça depuis le départ. C'est pas ça depuis le départ des gilets jaunes, c'est ça depuis le départ euh, des luttes sociales, parce que quand on est profondément impliqué euh, ou profondément touché par des injustices, et je pense que c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui, peu importe nos idées au final. Le fond, c'est les injustices. C'est de se rendre compte que euh, bah, dans un pays euh, comme le nôtre, il y a des gens qui meurent de faim, de froid, de solitude, euh, de problèmes de santé. Et aujourd'hui, on passe par oui, des réseaux sociaux pour transmettre des informations qui ne nous sont pas données euh, via des médias mainstream. Je, veux, je voudrais juste rappeler un truc sur la liberté de parler, la liberté d'être informé. Euh, J'ai fait un reportage pour Cartier Général sur une personne qui s'appelle Julien Assange. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais euh, pour moi, c'est... Typiquement quelque chose qui nous touche tous. Ce n'est pas juste une personne, cette personne, c'est une personne qui a osé diffuser des informations factuelles, la vérité tout simplement, et ça dérange des puissances économiques, du capitalisme, ces fameuses euh, instances qui nous, euh, qui nous dirigent tous les jours, et, euh, et la réaction de ces instances, c'est de le faire taire. Donc on est en droit de se poser, et je me pose la question, pourquoi... Euh, quand on dit la vérité on veut vous faire taire et pourquoi quand euh, vous êtes des militants pro-capitalisme euh, et libéralisme on vous euh, donne des 20 heures euh, sur BFM bah, je pense qu'on est une sorte de réponse collective et que et bon, moi je suis fier de faire partie de ça je suis fier d'être là aujourd'hui et de, de faire partie de tout ça parce que euh, parce qu'on le fait on aura peut-être la chance d'avoir un avenir meilleur voilà merci beaucoup Maxime on reviendra un peu plus tard je sais pas qui parmi les, les gilets jaunes a envie de, de prendre la parole euh, moi, je sais que le Fauzi ou... Allez, Fauzi. Il faut prendre la parole parce que sinon, pourquoi on est là Mais c'est surtout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas eu pendant des années. Et surtout, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir parce qu'ils ont des choses à dire. Aussi bien de témoigner dans leur quotidien leurs difficultés et de ce qu'ils espéraient pouvoir vivre demain et voir venir demain. Et je pense que ce mouvement, ça a été ça aussi. Ça a été le fait de d'être muré dans un silence euh, organisé et euh, la défiance aussi de, de tout ce qui est communication et médias s'est euh, ressentie dès le début lorsque euh, sur les manifestations on pouvait voir euh, des journalistes qui venaient euh, main street et euh, où la parole euh, était prise, les images étaient prises et surtout euh, Derrière, euh, la retransmission de ces images était souvent faussée par des dialogues et euh, de la communication qui étaient aussi faussées. C'est-à-dire que de prendre euh, la responsabilité de chacun de nous, de se mobiliser, de vouloir s'impliquer et de vouloir changer, c'était euh, sortir dehors parce que, euh, faute de pouvoir être entendu, pouvoir être considéré et pouvoir avoir euh, une influence dans la société à part un bulletin de vote euh, tous les cinq ans. Et on a pu voir ce qu'on reprochait aux médias euh, lambda, ceux qui arrivent directement dans les domiciles et qui influencent beaucoup euh, les personnes, chez eux, dans les familles, c'était surtout euh, le traitement de l'information. Et je me rappelle des conflits qu'il a pu y avoir concernant euh, ces médias-là sur euh, les manifestations, où ça ch... il y a eu pas mal d'échauffourées, il y en a beaucoup qui se sont fait chasser. Ça a été la transmission de la vérité, la transmission de l'information et surtout euh, le traitement de cette information. Et on a voulu euh, parler vrai, on a voulu euh, dire les choses telles qu'on les ressentait. Et justement, depuis 15 mois, c'est une guerre de communication et c'est surtout pouvoir reprendre la parole et pouvoir reprendre notre destin, euh, ce qu'on attend de la société, ce qu'on attend de la vie, euh, qu'elle soit plus adaptée à nos attentes. Et euh, on a pu voir euh, l'information le, 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 qui était complètement muselée, qui était complètement orientée. Et ça, c'est une forme aussi de libération, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir circuler, de pouvoir dire les choses. Et surtout, euh, pour des personnes qui n'étaient pas mandatées, qui ne faisaient pas partie d'une organisation, des citoyens, je dirais, lambda, de pouvoir être entendus et de pouvoir s'exprimer et euh, espérant depuis longtemps euh, pouvoir dire les choses et euh, tout notre mouvement a permis ça et aujourd'hui on peut voir que bah, ce qui a remplacé un petit peu euh, l'information qui allait dans les, dans les maisons la, la communication telle qu'elle était faite s'est remplacée par euh, des indépendants, des gens même qui n'étaient pas issus du tout de, de la communication qui ont décidé de prendre leur téléphone et de transmettre euh, par l'image euh, l'information. Et par les médias. Donc euh, Priscilla l'a expliqué, Maxime aussi et sociologue aussi, ils en ont fait l'analyse. Sauf qu'il faut savoir que euh, les réseaux ont ses travers, comme elle a pu le dire dans les ronds-points. Parce que du coup, tout ça mélangé permet justement quelque chose d'important, c'est que dans les réseaux, ça permet une communication. Ça permet de donner une information, ça permet d'orienter une information, parce que c'est que de l'orientation d'information, et c'est une guerre de communication depuis 15 mois. Mais il y a aussi tous ces travers. Par exemple, lorsqu'on communique avec quelqu'un, lorsqu'on est face à quelqu'un, par exemple les ronds-points, mais pas que, on n'a pas évoqué aussi toutes les AG qu'on a pu faire au début. Par semaine, il y avait des dizaines d'AG, des dizaines d'AG, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, et je ne vous parle pas sur la France entière. Pourquoi parce que ce mode d'expression aussi sur les réseaux, ce mode d'expression aussi par la communication et la vidéo, donne quelque chose de pur, et c'est la traduction que chacun peut faire, mais qui ne peut pas être faussée. C'est-à-dire quand vous voyez un homme qui donne un coup à un autre, un homme qui tombe et qui souffre, il ne a pas, on peut pas tricher, on peut pas. Euh, c'est à la fois pourquoi le, 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 on va dire l'État, les, les policiers ne veulent plus de ça, se battent pour pas que ce témoignage euh, brut arrive directement parce que du coup, ça met en cause la réalité. Ça met aussi en cause, en danger, ceux-là qui l'ont fait, mais surtout aussi, ça, ça, ça expose sur l'intimité, sur la douleur, sur des choses plus profondes. Et je me suis aperçu aussi, euh, dans la communication et dans les réseaux, par le biais de toutes ces dérives de dialogue, ces insultes, ces gens qui étaient dans l'anonymat, mais qui voulaient rester dans l'anonymat par des pseudos, on a appelé ça aussi beaucoup des trolls, on a appelé ça aussi par complotisme des gens qui avaient, par le gouvernement, mis des gens qui orientaient un petit peu toutes ces informations et toutes ces discussions, eh bien, on a manqué de quelque chose aussi et qui est un peu perversif, je dirais, de, de, de ça, par la communication qui est bonne. Il y a aussi ce manque, euh, on va dire, de ressenti qu'on peut avoir avec une personne lorsqu'on la voit par rapport à ces expressions qu'il peut y avoir sur le visage, sur les yeux, sur le ressenti qu'on peut avoir à, à être face à quelqu'un. Il, il, il y a une chaleur qui se dégage, il y a quelque chose, une expression qui est naturelle et qu'on n'a pas sur les réseaux. Et une interprétation aussi souvent de ce qui est dit ou des mots. Qui sont interprétés pas forcément dans le contexte et qui sont pas forcément interprétés comme ils se devraient. Et c'est un petit peu la, la, la complexité, je vais dire, de, du réseau social, mais qui est devenu indispensable parce que chaque action qu'on a menée, chaque chose qu'on a voulu euh, défendre et ce à quoi on a voulu euh, à quoi il soit utile, c'est-à-dire faire venir les gens, eh ben on a compris tout de suite qu'il était important d'utiliser les réseaux et d'utiliser les médias pour pouvoir le faire pour y donner une légitimité surtout une visibilité. en quoi c'est ambigu? c'est d'associer de, les deux. et on voit bien aujourd'hui que euh, les médias traditionnels euh, ont montré toute leur, euh, toute leur orientation tout, tout ce qui est faussé derrière et qui aujourd'hui euh, euh, ressort, ressort plus de sincérité de vérité par euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui par ces médias justement on va dire indépendants et toutes ces vidéos et toute cette communication qui est fait autour je ne sais pas si j'ai réussi à bien me faire comprendre mais du coup on voit le mensonge qui est orienté qui est manipulé par l'état et où tout le monde se sert et souvent on reste sur sa fin parce qu'on aimerait bien nous quand on regardait à l'époque je me souviens derrière une télé où on n'avait pas la parole pouvoir réagir interagir donner notre avis ce n'était pas possible et souvent restait sur notre fin. Et aujourd'hui, je pense que euh, la parole est libre, la parole, la, la, la manière de pouvoir s'exprimer justement est libérée. Et elle est aussi bien libérée dans la rue, elle est aussi bien libérée dans les, dans, sur les réseaux et euh, elle est aussi euh, plus constructive, parce qu'elle permet justement de prendre en compte l'ensemble euh, de, des gens dans la société, de leurs capacité, de leurs différences. Et d'arriver peut-être demain à essayer de construire quelque chose de plus de plus sincère, de plus approprié à ce qu'on en attend, et surtout prendre en compte l'ensemble des gens dans la société. Et c'est, je crois, ce qui nous manquait depuis longtemps. Et ce qui nous a fait sortir dehors, c'est cette frustration à ne pas être entendu, ne pas avoir cette parole, et surtout ne pas voir en face des décisions dites politiques. Des décisions de société inadaptées à ce qu'on en pouvait en attendre. Et donc, je pense que euh, c'est une vraie révolution, euh, et on peut l'appeler révolution il ne faut pas voir que la révolution par euh, ce qu'on a pu connaître avant dans l'histoire. C'est une révolution, une révolution de société, mais c'est surtout, avant tout, euh, permettre à tout le monde d'y trouver sa place. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole, et c'est bien dommage franchement c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire et, et euh, beaucoup de compétences mais je crois que ce mouvement il a permis de réunir l'ensemble de, de, de ces différences et des compétences de chacun et on pouvait voir que dans notre société on ne pouvait pas faire sans. et voilà donc après je ne vais pas m'étaler sur euh, trop parler parce que je pense qu'il y a des, choses, des, des gens qui ont beaucoup de choses à dire mais je pense que voilà pour moi la, la communication elle est, elle est avant tout de pouvoir prendre la parole des autres et de pouvoir la communiquer, de pouvoir l'entendre, parce que je vous le dis, hein, depuis 15 mois, c'est qu'une guerre de communication. Et on peut prendre l'exemple simplement du coronavirus. là. Pour moi, c'est euh, la façon, une nouvelle expression, parce que des, des morts, des grippes, tout ça, il y en a toujours eu. Mais c'est une nouvelle expression de vouloir faire taire, à mon avis, la grogne sociale dans ce pays. Et quel meilleur moyen que de les faire taire que de les laisser chez eux les empêcher de s'exprimer, c'est encore une nouvelle fois une manipulation pour nous atteindre dans nos libertés et pouvoir enfin euh, espérer attendre des réponses de ceux normalement qui étaient, euh, qui étaient habilités pour pouvoir le faire. Alors, je, je... Merci. Merci beaucoup, Faouzi. Fa je rappelle que tu es le, le, le coordinateur officiel des Gilets jaunes Paris, euh, de Paris. Je, je sens qu'il y a des gens qui veulent réagir autour de moi. Euh, Laurence, et puis... Euh... Vous avez envie de faire une réaction à chaud et puis après je passe la parole à Laurence peut-être Alors bah merci beaucoup de, de cette invitation. En fait, quand j'ai vu l'affiche de démocratie numérique populaire, j'ai vu le selfie et en fait je me suis incrustée. Je me suis dit, ah, je veux être aussi sur la photo. Pourquoi Parce que justement, c'était une très très belle euh, idée que de justement euh, s'intéresser à cette révolution aussi euh, qui est technopolitique euh, que constitue euh, le mouvement des gilets jaunes donc c'est bien sûr une révolution du point de vue de la démocratie mais du point de vue en effet bah, de ce qui nous intéresse un peu quand on est spécialiste du numérique c'est aussi une révolution euh, au plan de la de, de la culture numérique une révolution où finalement là euh, le momentum d'une d'une un, histoire euh, qu'on a suivie euh, tous et toutes. Euh, on a parlé tout à l'heure justement du développement des médias indépendants. Euh, ben, 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 Quelqu'un l'a fait remonter au euh, mouvement des places, mais on peut ben, remonter. Euh bah, une des médias, tout simplement, donc le mouvement altermondialiste, ça a été un peu dit en 99. Donc c'était l'idée de, de devenir média. Hein. Donc, euh, et il y avait à l'époque, mouvement de, bah, en France, 95, euh, les premiers usages d'internet, c'est d'abord aussi des usages militants, c'était antenne ascédique. Donc c'était aussi tous ceux en fait qui n'avaient pas euh, voix au chapitre, qui n'avaient pas accès euh, aux médias. Et donc cette histoire, elle est euh, voilà, elle se poursuit. Et, voilà. et aujourd'hui, euh, vous l'incarnez magistralement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre antennes ascédiques, par exemple, ou les chômeurs, ce qu'on appelait aussi tous euh, tous les mouvements, euh, c'était droit logement, enfin tout, tout ce qu'on appelait les les nouveaux mouvements sociaux, qui se sont emparés euh, d'Internet justement parce que c'était leur média. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, depuis Ben, c'est la massification en fait, hein, bien sûr, de, des équipements et surtout euh, la massification du téléphone portable hein, qui est devenue également euh, une caméra et euh, moi ce que j'appelle une caméra stylo et cette massification eh bien euh, elle a permis notamment de pouvoir réaliser euh, ces selfies parce qu'on parle des Facebook Live mais c'est quand même des, ils ont une configuration particulière parce que ce sont quand même des selfies vidéo et donc c'est finalement euh, comme vous le disiez euh, un individu qui va prendre la parole là où il n'est pas représenté par ailleurs sur les plateaux de télévision et qui va s'exprimer en son nom propre et finalement cette révolution c'est aussi une révolution donc de se pouvoir dire hein, en son nom propre mais aussi euh, du point de vue de. en, en s'exposant, en fait, aussi euh, physiquement, euh, en ayant aussi un visage. Et c'est ça qui, est, qui a été assez joli dans, dans, dans ce mouvement, c'est finalement que c'était des voix euh, singulières qui se sont exprimées, mais aussi avec cette idée que, eh bien, on pouvait, en son nom propre, euh, participer de, de, de la vie publique, de, de la démocratie, et aussi euh, en, en ne se masquant pas. C'est quand même à visage découvert hein, qu'on a pu ainsi hein, échanger autour de différents événements enfin de différentes expériences que l'on ressentait dans, dans son quotidien alors donc cette, du point de vue des technologies cette caméra stylo qui est, qu est le mobile ça révolutionne vraiment qui en fait peut en effet s'exprimer mais ça révolutionne aussi dominique l'a un peu signalé le camp on s'exprime parce que ce qui était aussi intéressant c'est que finalement ce sont des outils ordinaires et ce sont des expériences ordinaires et du quotidien qui sont aussi racontées mais aussi dans le cours de la vie même et on était en effet, moi j'ai été euh, je suis contente de rencontrer Flyrider <laughs> en vrai parce que moi aussi je vous ai écouté pendant des heures et c'était assez intéressant parce que de même que votre caméra a été euh, posée dans votre, euh, dans votre bureau je ne sais pas et vous parliez, bah moi Pareil, j'avais mon ordi qui était branché, puis je vous écoutais en faisant peut-être d'autres choses, mais il y avait cette idée que la politique, elle... Elle s'inscrivait, elle s'installait dans le cours de la vie ordinaire. Et donc, c'était aussi une expérience démocratique assez intéressante que de finalement faire descendre, faire atterrir, comme dirait la tour, la politique dans les salons, dans la cuisine. Une sorte de démocratie conversationnelle, dialogique, où l'on parle vrai. Donc, vous avez signalé Julian Assange, mais c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle un philosophe, ce qui s'appelle Michel Foucault, parle de parésie, c'est-à-dire le parler vrai. C'est-à-dire donc cette ce courage de la vérité que vous avez donc osé propager. Et donc là, voilà, je voulais juste marquer ce point un peu d'histoire. C'est la massification du numérique, mais qui se matérialise quand même à travers les mobiles et cette cette particularité qu'ils ont hein, finalement d'être des outils du quotidien où l'on parle du quotidien dans le cours de la vie même. Et ça a des conséquences politiques, ces selfies vidéo, parce que finalement c'est l'idée que euh, ça, ça met en crise la représentation mais au sens ça incarne en fait cette crise de la représentation puisque puisqu'il est possible de se représenter soi-même c'est vrai que cette idée de se faire représenter par d'autres et c'est de que son visage finalement ne soit plus le sien et que sa propre voix ne soit plus la sienne, eh bien, ça paraît de plus en plus problématique. Et donc, c'est vrai que euh, ce moment un peu particulier des, des Gilets jaunes, c'est aussi ce moment où la crise de la représentation a atteint un, un stade vraiment avancé et que. Finalement, on a des nouvelles explorations démocratiques, avec, on a parlé des mouvements assembléistes, où justement il s'agit là encore hein, de se présenter soi-même et de développer une conception un peu renouvelée de la démocratie, euh, qui n'est qui ne serait plus une démocratie représentative. Donc il y a quelque chose à inventer, mais que le mouvement des gilets jaunes notamment dans ses usages du du, du numérique et aussi à travers ce selfie vidéo a extrêmement bien bien incarné, voilà. C'était juste une petite no une une petite socio-histoire euh, du selfie vidéo, parce que c'était quand même votre affiche et ouais. c'est pas pour Théophile rien. Théophile boucher Galliano, qui est l'illustrateur, viendra nous rejoindre normalement cet après-midi. Merci beaucoup. Qui a envie de, de réagir euh, Luc Alors, moi, j'aimerais aime, qu'on entende les Gilets jaunes, en fait, euh, avant. Je, je sais que Philippe, euh, voilà. En fait, ce, cet événement-là, c'est aussi quelque chose qui doit déplacer la parole des chercheurs. Parce que. Je pense que les analyses que vous faites sont toutes très intéressantes, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on va pouvoir réinventer ensemble, en fait. Et donc, il faut que les analyses puissent aussi répondre en fait, aux témoignages qui sont apportés maintenant par les Gilets jaunes. Donc, il y a cet effort de coordination qu'il faut faire. Philippe, je t'ai rencontré lors d'une réunion qu'on avait eue avec Assemblée Virtuelle et Objectif RIC, et j'ai trouvé que ton histoire était très intéressante. Voilà, je serais intéressé que tu en fasses profiter à tout le monde. Ouais, c'est ce que je vais faire. Merci, Igor. Merci de m'avoir invité. Euh, je pensais qu'on aurait été dans un petit, un petit univers confiné à parler entre nous. Là, je me retrouve devant une assemblée, je sais qu'on est filmé. Bon, je me retrouve un petit peu dans la position du, du dernier petit cornichon euh, au fond du bocal, euh, sous le filet vert, euh, un petit peu angoissé. Mais euh, on va essayer de faire avec. Hein, y a... <laughs> on a vu d'autres quand même. Euh... C'est l'itinéraire d'un gilet jaune que je, que je vais vous raconter. Et donc c'est un itinéraire en fait qui ne commence pas en, en novembre, mais qui commence euh, 2018, mais qui commence en 2014. 2014, c'est vrai que ça, ça fait une longue période, une longue période de maturité mais c'est une période de maturité qu'on a besoin. Et euh, finalement, euh, euh, sur ce sujet de, de remettre en question euh, la façon de penser, la façon de concevoir mon environnement et mon avenir, euh, je n'étais pas le seul. Euh, vous aviez déjà euh, Choir euh, et bien d'autres personnes qui euh, remettaient en question euh, la façon dont euh, les citoyens étaient traités et euh, qui ont recommencé à retravailler sur la Constitution. à remettre en question, en fait, une, une société où euh, le peuple est représenté, mais ne participe plus. Et petite anecdote, d'ailleurs, au passage, euh, par rapport à, au film euh, qui, a, qui, a, euh, qui a eu plein de César, mais euh, avec aussi plein de polémiques, cette période de j'accuse, euh, C'est la période qui a juste suivi, en fait, le, la, la, le suicide de, de Boulanger. Et Boulanger, en fait, euh, qu'on a taxé de réactionnaire populiste, ce qui était un peu, certainement, euh, était quand même soutenu énormément par la gauche radicale de l'époque. Et la gauche radicale de l'époque voulait renouer avec une euh, représentation, pas une représentation, mais une, euh, avec la participation euh, des citoyens. C'est juste une toute petite parenthèse. Euh, cette période de quatre de ans pour arriver euh, au, au gilet jaune, euh, c'est une période qui a été extrêmement agitée. Donc j'ai vu euh, plein de troubles, j'ai participé à ces troubles d'ailleurs, et euh, j'en ressors maintenant, euh, contrairement à beaucoup de gens, avec. Euh, j'ai évidemment changé, mais je, 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 voilà, je, maintenant j'ai énormément d'espoir, alors que ce n'est pas le cas avant. Ouais. Euh, comment, comment je me suis construit par rapport à, à cette fonction euh, D'abord, euh, j'ai été interpellé par les Bonnets Rouges. Donc Bonnets Rouges, tu le connais, parce que tu es breton aussi, comme moi. Et en fait, c'était euh, une réaction... Euh, au contrôle social, au contrôle routier, euh, à l'appauvrissement des paysans, à leur suicide, et voilà, et à plein d'autres euh, malheurs qui leur arrivaient. Et euh, ils ont été maltraités. On les a traités de réactionnaires, de poujadistes de, de écologistes puisque ça avait été, euh, ça avait été présenté, ces portiques avaient été présentées par Ségolène Royal comme quelque chose d'écologique. Euh, voilà, ils ont réussi à, à, à gagner, ils ont réussi à gagner, et en gagnant, euh, en fait, ils ont montré que des, des citoyens euh, sûrs sûr de, leur, de leurs actions pouvaient gagner contre un pouvoir euh, fort et, et méprisant. ensuite, euh, j'ai été directement concerné parce que je suis lien, et euh, j'ai assisté euh, carrément impuissant à la prise en main de Veolia sur les services maritimes euh, des îles du Ponant avec euh, l'aide euh, complète en fait des institutions politiques du Conseil, euh, notamment du Conseil général dirigé par euh, Goulard, donc un nom qu'on qu connaît bien ici. Euh, ça, là aussi, euh, ben j'ai vu qu'en fait le, le peuple ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas agir. Donc on a subi des hausses considérables des transports qui ne permettent plus à certaines familles de pouvoir se revoir, parce que voilà, aller à la nage c'est quand même un petit peu difficile, euh, le cototurage n'existe pas non plus. Euh, la troisième, la troisième expérience que j'ai eue, que vous connaissez tous, c'est euh, la période motard, c'est à dire que je viens des motards, je viens des motards en colère. Donc là, les moteurs en colère, c'est une expression que vous connaissez tous. Hein, parce que euh, vous avez vu la France en colère, vous avez vu euh, les avocats en colère, vous avez vu euh, le, les docteurs en colère, euh, les pompiers en colère, tout le monde est en colère. Et vous l'êtes, je viens d'entendre ce mot d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Euh, grosso modo, je fais partie, j'ai organisé, j'ai aussi, aussi assuré la, la sécurité de ces grosses manifs euh, où parfois il y avait 15 000 motos euh, qui bloquaient tout Paris et euh, avec des revendications qui nous nous paraissaient, mais alors euh, fondamentales, logiques, parce qu'on euh, était face à des décrets euh, antisociales, liberticides complètement, sur la liberté de circulation, mais euh, aussi un exemple tout à fait concret, il faut rester concret, on est ici en Seine-Saint-Denis, dans deux ans, 73% du parc automobile va être supprimé. Vous vous rendez compte quand même de l'implication. Hein voilà. Euh, on n'a jamais été reçu par Hidalgo, qui avait, avec son adjoint Nadjoski, qui avait créé euh, ces saloperies, hein, entre guillemets. Hein euh, et euh, on, est, on était. Euh, C'est est devenu assez euh, rageux parce qu'il euh, euh, y a eu des gardes à vue, il y a eu des plaintes contre l'association. Euh, euh, on n'arrivait pas assez à se faire entendre. Euh, pas aucune, zéro média par rapport euh, à, à nos actions, et pourtant on a fait des actions de nuit, on a bloqué les champs élysées on a fait du euh, voilà. rien, rien. Ça nous a quand même paru très bizarre. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dire j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait On a, on s'associe avec les automobilistes, parce qu'après tout on avait les mêmes contraintes, et euh, même avec les automobilistes, eh bien zéro, nada, rien, rien, rien. C'est-à-dire qu'on devenait une population Nombreuses, nombreuses c'est-à-dire quand même plus de 100 000 personnes, euh, invisibles, invisibles, on n'existait plus, quoi. on n'avait plus de droit. Plus de droit, on est plus. Voilà. On n'était on était pas dans le bonisme, on était les méchants, on était les graisseux, on était euh, les pollueurs, on était euh, voilà. Donc peu importe que ce soit des lois anti-pauvres, anti banlieues peu importe, on n'était pas reçus. Moi, ça m'a vraiment posé une question. Donc, euh, quand c'est euh, quand arrivé les gilets jaunes, bien sûr, tout de suite, j'ai compris. Et personne n'en parle. Mais moi, j'ai tout de suite vu ça. C'est qu'il y a une révolution culturelle, une révolution picturale. C'est un art nouveau qui est sorti des gilets jaunes. Ça, on l'a oublié. Hein Ces fonds brumeux avec euh, les lumières bleues des, des flics, les gilets jaunes, les, le rouge. Euh, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et j'ai senti que là, on y était. J'ai euh, créé l'Alliance jaune à, à cinq, on n'est pas nombreux. Hein. Donc euh, l'Alliance jaune, jour. je ne vous présente pas, c'est quand, quand même assez décrié. Mais... C'est dommage qu'il n'y ait pas eu assez de questionnements à notre égard parce qu'on avait quand même dans la, dans la besace, on avait la mutuelle d'expression sociale, c'est à dire la possibilité d'être assuré si on avait un problème en manifestation, on avait la possibilité de récupérer tout de suite de l'argent. Tout de suite de l'argent parce qu'on intégrait aussitôt euh, des mesures qui étaient euh, en fait euh, euh, permises, soit par l'UE comme le, la TVA à 0%, qu'on nous disait ici absolument impossible. En fait, non, c'est possible. L'UE le recommande. On, on entend maintenant parler en fait de, de la taxation, du modèle de taxation euh, espagnol sur les banques. Ça, on l'avait, on s'en était inspiré. Euh, on s'inspirait également du timbre anglais, on s'inspirait euh, des euh, micro-tractations tra euh, bancaires, euh, donc le modèle coréen. Euh, voilà. On avait euh, ces idées-là. On avait l'idée, en fait, de, de dépoussiérer un petit peu l'Europe, de regarder comment ça se faisait et puis de rendre compte après. Et de mettre en place des ateliers de référendum d'initiative euh, citoyenne. Voilà. Je parle peut-être un petit peu trop. Voilà. Oui. oui. Je... Ouais. Okay. Ouais, c'est juste, juste un, parce que j'entends plein de trucs et c'est juste pour vous montrer, un, juste pour mettre un fait sur la table. L'événement est partagé depuis combien de temps sur les réseaux sociaux Malheureusement, pas trop de temps. À peu près combien Une semaine, une semaine et demie Deux semaines. Deux semaines. Euh, on est tous pacifistes dans la, la, la pièce, ici Personne ne va s'énerver, mettre le feu, okay. Est-ce qu'il y a un seul journaliste de BFM TV, ici C'est News LCI Chaîne télé D'accord. Vous avez préparé un événement qui réunit autre chose que des casseurs, puisque c'est ce qui nous reproche, hein, soi-disant. Il euh, n'y a pas un seul média public, ici Non, mais... C'est pour montrer que s'il n'y a pas de réseaux sociaux, s'il n'y a pas de médias indépendants, il bah n'y a pas d'infos. Voilà. Ah, je vais juste le reprendre. C'est vrai que je prends beaucoup de temps, je suis absolument désolé. J'ai une base de minutes. D'accord. Eh bien, euh, de cette alliance jaune, je vais retirer deux choses, en fait. Deux choses qui seront extrêmement importantes. Un, je ne reviendrai jamais plus à une politique au menu. Ma politique à moi, elle se fera à la carte. Elle ne se fera jamais, plus jamais, au menu. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on glisse progressivement euh, vers une dictature, euh, une dictature boniste, parce que le mot est à la mode. Et euh, j'aime bien l'expression qu'avait créée Yann Le Bihan, qui, avait, euh, qui faisait partie en fait de l'Alliance jaune et euh, qui parlait d'extrême centre. L'extrême centre, pour moi, qualifie bien en fait la, cette dictature bonnie, cette dictature molle que l'on subit euh, actuellement. Euh, de toutes ces expériences, j'en ai tiré également qu'on qu avait contre nous à la fois euh, les politiques, mais euh, une oligarchie euh, financière, euh, économique, euh, on avait les, la, la finance, mais pas que la finance, on avait aussi euh, le juridique contre nous et les médias. Voilà. Donc, en fait, on ne pouvait plus s'exprimer. Jamais je n'ai entendu un gilet jaune s'exprimer sur France Inter. C'est quand même fabuleux, quoi. F... Non. Non, non, sur France Inter. Jamais je n'ai entendu parler des gilets jaunes, parler d'un représentant des gilets jaunes ou d'un porte parole ou d'un gilet jaune comme ça dans la rue ou sur son rond-point. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. J'ai euh, eu la chance de connaître Hakim et son équipe, et je l'ai rejoint et on a créé l'objectif RIC, donc l'objectif euh, euh, du référendum d'initiative citoyenne. C'est, je pense, l'avenir que l'on doit avoir. Et aussi, vraiment, je le pense vraiment, 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 si on veut reprendre un petit peu l'activité politique. Et je vois très, très mal arriver les municipales. Je vois très, très mal arriver les présidentielles. Les gens ne voteront plus forcément pour Macron, ne, veut, ne voteront plus pour cette option. Il est extrêmement important qu'on arrive à faire monter ce, ce référendum, l'idée de ce référendum, l'idée de ce partage, l'idée du partage des connaissances et de l'action de manière à, à se prévenir, en fait, de plus grands dangers dans l'avenir. Merci. Euh, juste un... un Peut-être, Luc, euh, tu vas parler, mais juste avant. Euh, premièrement, il faut, que je vous ré il faut que je vous révèle une vérité. Euh, C'est vrai que mon idée, c'était de dire, on va, on va, il va y avoir beaucoup de monde. Comme ça, ça va permettre, premièrement, de montrer une grande diversité, qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment. Et deuxièmement, je vais être un peu méchant avec vous, mais de frustrer aussi les intervenants. De frustrer les intervenants pour qu'ils restent ensuite aux ateliers et qu'on puisse rediscuter plus en profondeur de ces questions-là. Voilà, donc je, je, je sens Faouzi qui, qui, qui boue à côté de moi, je sens Maxime aussi. En fait, vous arrivez, on n'aura pas le temps de dire tout, mais par contre, dans les ateliers, on va pouvoir vraiment approfondir. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que un des enjeux de cette, de cette rencontre, ce n'est pas de parler d'idéologie. Je sais que vous parlez beaucoup d'idéologie, c'est très important. L'enjeu de cette rencontre, c'est de parler de puissance d'action et de voir comment la technologie peut participer à la réflexion sur les nouvelles formes de la puissance d'action politique. C'est aussi donc de parler de processus et le RIC propose un processus propose un protocole voilà donc quand on sera cet après-midi dans la session sur la délibération on parlera d'un processus d'action d'un processus de pensée d'un processus d'organisation mais l'idée n'est pas tant de discuter des idées politiques que de discuter des moyens d'action politique voilà donc c'est juste un rappel que je voulais faire euh, Luc, peut-être tu voilà, tu peux reprendre la parole. Je voulais te remercier avec, avec d'autres pour ce que, ce que tu as, as organisé là. Et pour une fois, on a quelque chose d'un peu métissé, d'un peu hybride. Je trouve, que je trouve ça formidable. Donc je vais vous dire d'où je parle et je vais venir sur des faits pour produire justement. Donc moi, je suis géographe et je suis aussi gilet jaune. Donc tout à l'heure, quand je demandais la, la parole, c'était en tant que gilet jaune, j'avais bien compris ce que tu voulais faire. Et euh, donc moi, je, je viens d'un rond-point où je suis depuis euh, novembre 2018. Euh, un rond-point où je suis allé parce que j'ai senti le mépris et le décalage entre ce que je voyais euh, sur les, les, les ronds-points de l'Est de la France et, euh, et puis euh, ce que j'entendais dans les médias euh, traditionnels. Je préfère utiliser le français, donc je vais dire dans les médias, euh, dans les médias traditionnels. Et donc, euh, depuis cette période-là, j'ai été tous les jours sur le rond-point. De Kroll à 20 km de, de, de Grenoble et j'y suis encore deux fois par semaine. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas justement euh, séparer. J'ai eu honte d'y aller parce que j'ai une paye à la fin du mois. Je suis enseignant-chercheur, je suis fonctionnaire. Mais à un moment donné, j'y suis allé parce que je n'en pouvais plus qu'on dise à la place des autres. Voilà, et Je viens d'une famille ouvrière, donc c'était mon oncle, mon père, ma soeur, mes frères qu'on qu insultait dans la façon dont on parlait dans les médias traditionnels. Ça c'est le, le premier point, donc je suis venu euh, avec, euh, avec Véro et avec Moïse qui sont euh, tous les deux sur, euh, sur le rond-point, que je ne connaissais pas, qui sont devenus des, des amis. Je voulais dire les faits. D'abord, euh, on utilise. qu'est-ce qu'on utilise Vous parlez d'un certain nombre de choses numériques. Donc nous on utilise un groupe qui est Facebook, Action Crawl 38, vous pouvez y aller, et puis le courriel ou le mail. Voilà, c'est tout euh, la mobilisation sur le carburant, elle a été reçue par euh, beaucoup de gens euh, du rond-point euh, au début, elle a été reçue par, euh, par mail plutôt que Facebook, ou, euh, ou bien par euh, le bouche à oreille. Donc ça, c'est quand même intéressant. Un tiers des gens ne sont pas sur les réseaux, ça a été dit, et il y a un bon tiers qui n'a pas la télé. La plupart... Euh n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Alors évidemment, ils vont voir la, la réinformation, un terme assez euh, terrible, et le, 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 le grand tout, le grand n'importe quoi, parfois des formes de, de complotisme et, et autres. Donc il y a évidemment un travail euh, à faire là. Euh ceux qui, sont, qui utilisent aujourd'hui euh, ces médias, ou qui, les, ou qui les utilisent, qui sont dessus, qui, ils se sont pour beaucoup formés avec le mouvement. Donc moi, je crois beaucoup au rond-point, je vais revenir là-dessus, et l'articulation entre le numérique et le rond-point, je crois beaucoup au rond-point comme euh, un, un atelier. Alors certainement un dispositif d'émancipation, mais aussi un dispositif apprenant. Ça, je trouve que c'est une chose euh, centrale. Donc les gens se sont formés là, et ils forment aujourd'hui. Par exemple, une des activités principales d'un certain nombre de gilets jaunes, dont Véro qui pourrait très bien en parler, c'était d'aller sur les ronds-points et de montrer aux gens d'aller sur les ronds-points, d'aller sur les marchés dans la ville, à la sortie des supermarchés, pour signer les pétitions, notamment sur l'aéroport. Sur euh, Donc, ça, c'est un, un point important. Euh, plusieurs gilets jaunes ont eu leur compte bloqué. Ça, c'est intéressant. Celles et ceux qui étaient dessus ils ont eu leur compte bloqué sans savoir euh, pourquoi. Comment Leur compte Facebook. Oui, oui, puisque c'est plutôt là-dessus euh, qu'on est. Euh, quand on utilise les, le Facebook euh, pour s'exprimer, je dois, je dois dire que c'est l'objet de tension et, euh, et c'est l'effondrement de pas mal de ronds-points. Il y a des ronds-points qui, qui, qui ont eu du mal à tenir parce que les cabanes ont été brûlées. Une fois qu'on les a reconstruits 5, 6, 7 fois, euh, c'est fini. Euh, par contre, quand euh, parfois l'échange se fait simplement sur Facebook, ben, il n'y a pas euh, ce... Comment dire je ne vais pas parler de génie du lieu, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe au niveau du rond-point, et je voulais insister là-dessus, sur l'importance euh, du rond-point pour l'expression et le groupe. D'abord, c'est un lieu, c'est un espace public, euh, cette, cette cabane, donc c'est les gens. Oui, c'est un lien entre les, les personnes, il y a des interactions, euh, c'est de la confiance. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas Facebook qui a permis que le, le, le mouvement des Gilets jaunes, de mon point de vue, puisse continuer, en tout cas celui que je connais, celui des ronds-points, qui est évidemment en dialogue euh, d'une certaine façon avec celui euh, des, des, des sites. Mais c'est la, la, la capacité qu'a ce mouvement à rester hétérogène, à mon niveau, à mon avis, il vient, euh, et partagé avec les, les collègues qui, qui ont travaillé aussi là-dessus, il vient de, 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 de cette fraternité. C'est-à-dire que cette fraternité est la possibilité... De, 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 de remettre en groupe des gens qui sont euh, sur des positions euh, politiques euh, euh, construites là ou, 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 ou venues d'ailleurs qui sont différentes. Donc ça, c'est très, euh, très important. Ça se fait par les actions aussi, les, les manifestations. Donc c'est un camp de base, mais on va aussi euh, en, en action. Et il y a des assemblées. Il y avait des assemblées tous les jours. Cette assemblée, elle s'est euh, professionnalisée. Aujourd'hui, il y en a une par semaine le mercredi, ce qui permet de, de, de construire les actions du, du, du vendredi, qui sont plutôt des, des ateliers de formation, et les actions du... Du, euh, du samedi, ça, je pense, c'est important. On parle de médias. Euh, N'oublions pas que, qu'un rond-point, il fabrique et avec des gens qui ne savaient pas le faire, il fabrique des tracts, il fabrique des images, il fabrique une, une citoyenneté visuelle et il fabrique aussi des panneaux. Nous, on a une personne sur le, le site. Alors, on l'appelle affectueusement euh, papy pancarte. S'appelle Pierre. Tous les jours, il fabrique des, des panneaux. Et le plus beau d'entre eux, c'est merci Macron pour la fraternité retrouvée. Euh, il est encore là, il est en ferraille. C'est un des panneaux de, de, de départ. Ça veut dire que le média, enfin le, le, le rond-point, il est devenu un média dont les gilets jaunes ont la maîtrise. Et sur le rond-point de, de Kroll, il y a 26 000 voitures qui passent sur 24 heures et 1 000 camions. Donc ça fait du bruit les, les klaxons d'un euh, camion. Donc je voulais insister là-dessus. Je voulais aussi insister sur le fait que ça, ça mute très vite. Euh, tu, tu es venu sur euh, sur Kroll. Euh, ça mute très vite et il y a un devoir pour les chercheurs, gilets jaunes ou pas, de documenter. Et nous, on a mené deux choses et il y a d'autres ronds-points qui l'ont fait. On a fait un petit bouquin qui s'appelle Sur la vache jaune, l'utopie d'un rond-point, à partir d'une de, de, observation participante, à partir d'enquêtes de, de, qu'on a livrées, mais il est un bouquin de Bernard, de Luc et de tous les autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui a à la fois la fierté. Des gens du, 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 du rond-point, des, des gilets jaunes qui l'ont filé à leur famille, c'est un peu leur, leur image, mais c'est aussi une matière pour des chercheurs qui n'ont pas pu être là euh, dans ce, euh, ce moment-là. Donc, ça, c'est deux éléments, et je voudrais finir par deux images. Euh, la, la première, pour voir comment les choses ont évolué. La première, c'est. Euh, elles sont récentes, ces images. Euh, je vais dire, euh, au début, au début euh, quand j'étais sur le rond-point, qu'il y avait euh, la presse qui venait de temps en temps. Euh, voilà. Personne ne voulait parler, on mettait à distance. Oh non, non. Eh, tiens, Bernard, Luc, allez-y. Vous avez l'habitude de parler. Euh, on, on hésitait à y aller. On a eu France 2, le New York Times, le Daily Telegraph. Et franchement, il y avait l'Assemblée qui se passait. Ils étaient là. Tout le monde se foutait d'eux. D'ailleurs, pour voir ce que ça a donné, le reportage sur France 2, c'était le pire. C'était le pire des reportages qu'on a jamais. Mais tout le monde se foutait complètement de la présence ou pas de ces journalistes. C'était quand même un, 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 quelque chose d'assez essentiel, se disant de toute façon les choses euh, se passent ailleurs et, et autrement. Et la deuxième image assez géniale, euh, c'est-à-dire que sur ce rond-point, il y, y a une espèce de deal entre, le, entre la municipalité et, et, et les gilets jaunes qui sont là, c'est-à-dire le, le maintien possible de la cabane qui est essentiel. C'est la, la vie vraiment du, de, du, du collectif pour toutes les raisons que j'ai dit. Donc il y a un dialogue permanent. Souvent on est convoqué à la mairie, on doit dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi. Enfin, c'est assez terrible. On a même été exclu par le maire d'une présentation de l'ouvrage. J'ai jamais vécu ça dans ma vie d'universitaire. On a été sorti d'une du, 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 association qui nous invitait qui nous invitait pour parler de, 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 de ce qui se passait sur la vie du rond-point. Il nous a expulsé de, de la salle. Mais ce même maire qui est en campagne aujourd'hui et une liste qui s'appelle. Croll 2020, de gens qui sont sortis de, 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 sa, de sa majorité, qui ont créé une ville, sont venus débattre cette semaine pendant deux heures sur le rond-point de Croll, dans notre petite cabane. Il n'y a, a pas de toit, hein, parce que si on met un toit, il, il casse la cabane. Donc on, on, on met simplement une toile dessus pour permettre que, ça, que la vie puisse continuer et qu'on puisse vivre ces assemblées. Ils sont venus débattre, et alors c'était assez intéressant de voir la pirouette du maire. À un moment donné, un des débats, c'est la question d'espace de public. Donc, il a dit, bon, l'espace public, c'est bien, mais à un moment donné, il appartient à tout le monde. Donc, moi, je vous propose quelque chose pour décider ou pas, parce que c'était une des questions des Gilets jaunes c'est est-ce qu'on reste ou pas sur le rond-point Il a dit, ben, c'est très simple. Moi, ce que je vais faire, on va faire un RIC euh, au niveau communal pour savoir si vous avez le droit ou pas de rester sur le rond-point. Voilà, il y aurait mille, mille choses à, et, et rebond, mais je ne le fais pas. Hein. Juste un, un point avant de passer le, la parole à, à Moïse, puis à, à Victor, qui n'a pas encore parlé. Euh, juste, moi, je voulais faire au départ cet événement-là. Merci beaucoup, Luc. juste Moïse, qui est tout là-bas, qui est aussi du rond-point, du crawl, juste avant de passer la parole à Moïse. Moi, je voulais faire cet événement au départ sur un rond-point, mais, en... ouais, mais je voulais le faire. Ça aurait été super. La prochaine fois. La prochaine fois. Tout tout de suite. Merci. Alors, non, mais juste pour dire un truc, c'est qu'avec ce qui se passe avec la répression aujourd'hui, je me suis dit qu'on prenait un risque en fait à faire ça sur un rond point en fait. J'avais très peur que j'avais mais à... alors si on était dans... à Paris tout ça, je pense, je pense qu'on aurait pris un, un risque voilà. Et j'avais peur que avec les stars que nous avons aujourd'hui, ah tu rigoles ou quoi Mais ah je sais que t'aimes pas. Ouais mais c'est une petite. Ouais, alors en fait, je suis content que tu me dises ça parce que je savais que tu allais réagir. Ou si ce n'était pas toi, je pense que d'autres auraient pu euh, aussi euh, ré réagir de cette manière-là. Juste un point justement par rapport à cette réaction. Tout à l'heure, pendant le temps des ateliers, en parallèle, on sera aussi en duplex avec l'assemblée des assemblées numéro 5 qui a lieu en ce moment à Toulouse. Alors c'est juste un point que je fais maintenant. Ça a été difficile à établir comme, comme, comme partenariat. Pourquoi Et ce n'est pas à moi qu'il faudra que tu répondes, c'est à eux qu'il faudra que tu leur dises. Donc en restant tout à l'heure. Ils m'ont dit, et je répète leur phrase. Euh, nous, on n'a pas, on a du mal avec les célébrités. Voilà. Vas -y, vas -y. En fait, dès le départ, euh, moi, sur sur ma page, sur mon groupe Facebook, j'ai été clair. Je ne représente personne. Je suis pas un porte-parole ou un chef ou un leader ou je ne sais pas quoi. Les, les, tout se fait au niveau local. C'est pour ça, moi, que j'adore les initiatives comme ça. Il y a des initiatives par chez moi, chez Rostrona, où ils ont fait le quartier généreux qui est un peu pareil, c'est euh, un rond-point où il y a énormément de choses. Euh, et en fait, l'Assemblée Assemblées, dès le départ, nous ont dit, nous, on ne veut pas de star. Moi, je dis, bah, super, cool, moi, ça me va. Non, mais ça me va. Comme ça, les gens produisent du concret et il n'y a pas besoin de chef. Donc, vous faites, euh, selon les règles décidées collectivement, via une forme de RIC, c'est ce qu'on veut tous. Moi, ça me va. Et j'ai jamais participé à Inada. Pourquoi Parce que c'est je n'ai pas la place et je, je Tu parlais de légitimité, j'en ai aucune, zéro. Je m'exprime de façon personnelle sur un groupe qui diffuse des informations sur le mouvement social et ce qui doit être décidé doit l'être de façon collective dans des assemblées des assemblées ou dans, euh, via la Ligue citoyenne ou via d'autres choses. Mais euh, il mais n'y a que ça qui compte, le collectif. Moi je suis euh, un grain de sable parmi euh, tous les grains de sable qui font ce mouvement je suis désolé, je, je te passe la parole. C'est moi, c'est qui n'ont pas hein, oui. qu pris la parole, mais peut-être qu'on ne reviendra pas dessus. Pour ce qui concerne l'Assemblée des Assemblées, j'ai un autre, un autre regard, moi, parce qu'effectivement, je ne savais pas ce que tu viens de dire là, mais euh, c'est assez compliqué, parce que je trouve que c'est une initiative intéressante euh, qui permet aux gens de s'exprimer, et je pense que c'est inédit, et que ça gagne à être connu, et ça gagne à être euh, communiqué par les médias qui sont parfaitement au courant de, de l'existence de cette initiative Sauf qu'effectivement, là, quand j'entends et ils ont du mal avec les célébrités, c'est très dommage qu'ils voient encore les choses comme ça, mais c'est surtout embêtant parce que même moi, en tant que citoyen de Lambda, je ne peux pas participer et je ne pouvais pas voir ce que ça donnait, parce que j'étais exclue. Donc c'est très dommage pour un processus qui se dit démocratique d'exclure d'emblée des personnes dites médiatisées. Et ça a été très virulent dès le début. Il faudra leur dire tout à l'heure. Voilà. Mais moi en là fait je me fais a... le porte-parole. Je voilà. chose je tout, tout quelque ça pour, tout ça pour dire que c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant de voir comment ça se passe. Mais moi, j'ai malheureusement pas pu voir comment ça se passait en fait. Donc le, sur les derniers où on m'a proposé de venir, ben non, parce que voilà, quand on s'est fait lyncher pendant les trois premières assemblées... Après, voilà. Alors, donc moi, je dit, écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on pose ces questions-là. Donc, si vous pouvez rester en début d'après-midi pour être en duplex avec eux, eux, ils sont prêts maintenant à engager cette conversation avec vous. Mais voilà. Igor, quand même, les, les ronds-points mandatent des personnes localement sur, sur le site. Il est mandate pour aller travailler. Ils travaillent et ensuite, ce qui est décidé au niveau du, du rond -point, de, 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 de l'Assemblée des Assemblées revient au niveau du rond-point et validé et remonte comme étant la, la, la parole des, des collectifs. De, de, des ronds-points, donc c'est eux qui se fédèrent, mais ils pourraient inviter effectivement. Okay. C'est autre chose. En parlant de ronds points Moïse, tu es aussi euh, un, un membre du rond-point de crawl. Je suis charpentier et du coup, voilà, je suis venu avec Luc et, et Véronique. Euh... Le rond-point, euh, ça me je voulais rebondir par, de, de, derrière Luc qui a beaucoup parlé du rond-point. Et en fait, en 2015, il y a eu euh, une Exposition universelle qui était intitulée Nourrir la planète, énergie pour la vie. Et euh, ce qui était euh, la représentation de cette, euh, de cette exposition universelle, cet événement, il avait été choisi la halle. La halle comme, euh, comme lieu où les, euh, où les gens euh, se croisent, où les gens partagent euh, des vivres comme euh, des services. Et euh, un petit peu en opposition avec. Euh, avec aujourd'hui, ce, euh, ce que déjà en 2015 ils savaient que le centre commercial n'avait plus beaucoup d'avenir, euh, et, euh, et même si aujourd'hui on les voit encore, ils avaient quand même beaucoup de muter parce que tel qu'il qu existe aujourd'hui, euh, on, on, on ne ressent pas beaucoup d'avenir. Et c'est vrai que moi le rond-point, euh, quand je ça m'a toujours fait un peu, un peu penser à ça, et, euh, et je trouvais ça, je trouvais ça euh, un drôle que euh, ça nous ait presque était suggéré par euh, par euh, par une exposition universelle quoi et, euh, et de et, et, et de trouver que finalement ben, euh, le fait de l'avoir mis en, en œuvre et eh ben ça dérange beaucoup en fait parce que finalement c'était pas quelque chose qui était euh, qui était apprécié de de, de nos institutions et euh, après ce que je voulais dire par rapport à du coup, euh, voilà, ça c'est la communication euh, réelle. Et après, euh, par rapport aux réseaux sociaux, moi je me suis rendu compte que le, le Facebook euh, et les réseaux sociaux, ça faisait circuler une information, mais j'ai l'impression toujours euh, dans une même. Euh, dans un même cercle, dans un cercle assez clos. Et, euh, et c'est là où c'est qu'on. Qu qu moi, je trouve que Facebook, ça a été euh, notre euh, allié et notre, euh, et notre ennemi. Parce que ces lives, c'était quelque chose de complètement euh, opportun, de quelque chose qui a permis de montrer ce que personne d'autre euh, ne montrait. Et en même temps, bah, ils sont aussi euh, maqués. Et euh, ils ont cloisonné pour euh, faire euh, garder euh, dans le même, euh, dans un petit univers, euh, même si ça, ça va un petit peu au-delà. Mais moi, quand je vois euh, dans les gens que que, que je connais, euh, dans les gens qui, euh, dans mon, les gens que je fréquente, euh, qui sont euh, pff, ni des très riches ni des euh, très pauvres. Mais, euh, mais qui, sont, euh, qui, ont, qui ont, moi je suis convaincu, beaucoup de vulnérabilité aujourd'hui et qui pour autant sont autant détachés que, que ça et ne, et, ne, et ne veulent surtout pas être assimilés à, à, au mouvement des gilets jaunes parce que c'est péjoratif, quoi, parce qu'ils sont quand même, même aujourd'hui influencés euh, par, par, par les, 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 les médias universels, les médias principaux. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont quand même toujours, euh, ils ont ils n'ont pas gagné parce qu'il ont, ont, parce que il n'y a rien qui est fini et puis euh, mais c'est vrai qu'il faut penser à, à un relief entre justement euh, cette euh, cette euh cette communication sur les ronds-points, cette communication qui est, je pense, qui a servi vraiment, vraiment beaucoup de gens, qui a servi mais même ce cercle, je crois que fermé, qui est tellement importante de, d'écouter de, des, des gens comme euh, Maxime Nicole, euh, Priscilla Ludovsky. Et euh, je crois que ça, ça permet quand même de fédérer, ça permet de et, euh, et même sur les, les, les groupes, les groupes. Euh, sur les ronds-points, comme à crawl action Crawl 38, je crois que ça permet de faire quand même passer beaucoup d'informations, même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ne seraient pas dites forcément de la même manière à une, à une personne en face de soi, et du coup qui provoque aussi des réactions un petit peu disproportionnées, et on voit que ça nécessite des modérateurs, mais ça permet quand même de faire passer beaucoup d'informations, et, et c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Moïse. Victor, je vais te laisser la parole. Peut-être euh, tu es le, le dernier à intervenir, du moins pour ce premier tour. Si tu peux euh, essayer de faire le lien entre tout ce qu'il a dit et notamment sur assemblée, rond-point, plateforme numérique, voilà, si tu. Je te donne cette tâche-là. Je, je sais que ça t'intéresse et je sais que la question de la transition t'intéresse. Ça marche. Ça marche. Bonjour à tous. On essaiera de faire ensuite un très court dernier tour. Euh... Bon, Victor Petit, je vais juste commencer par un merci, évidemment, un merci euh, à Igor, mais euh, j'ai aussi envie de remercier les Gilets jaunes euh, ici présents dans la salle. Merci à vous. Je suis redevenu fier de mon pays grâce à vous. Et, euh, et voilà. Donc euh, bon, Mais pour autant, la lutte n'est pas gagnée. Euh, là, on est entre gens euh, d'accord, euh, entre nous, mais euh, la lutte n'est pas gagnée. Euh, quelques points. Quelque, alors, pour, pour, euh, sur des. Bon, remarques. Une remarque, on a beaucoup parlé de médias mainstream dans la première euh, table ronde, et on pense en fait à la télé, euh, beaucoup. Enfin, je ne pense pas qu'on pense euh, à la, moins à la presse. Euh, dire, euh, et on met pas l'UMA, la Croix dedans, la presse est plus lue de toute façon, donc du coup, c'est pas trop elle qu'on accuse, puisqu'elle a plus de lecteurs. Euh, donc, et on pense à la télé, je, je me suis fait juste une remarque ici, euh, et, et particulièrement BFM. Et il y a une question, c'est on est là, euh, oui, on va dire oui, BFM, BFM, des informations, des informations, des informations, et, et on est tous d'accord. Moi, ma question, c'est juste, là, c'est pas du tout des questions de chercheurs, je tiens à le dire, les, les chercheurs, ici en démocratie, c'est vous. Donc là, je parle vraiment euh, comme ça. Le, euh, là, 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 si on sort à Saint-Denis, dans tous les cafés, Popu, il y a BFM. Dans tous les cafés de France, où je vais boire mon troquet le matin, il y a Parisien et BFM. Et donc la question, c'est pourquoi on continue à... Enfin, quand je dis on, ça, c'est la masse continuer à regarder BFM tout en ayant le même regard ah oui on sait très bien que c'est critique on sait très bien que c'est de l'information oui mais euh, et moi je peux plus prendre mon café le matin sans me taper BFM mais mettez je sais pas ça se pêche tradition mettez ce que vous voulez quoi mais euh, moi quoi, voilà tous les cafés de Paname il y a donc premier truc BFM comment on fait pour effectivement lutter contre BFM pas juste dire c'est pas bien c'est pas bien mais comment les gens arrêtent de regarder ça deuxième et, et, et la question des plateformes et ça l'atelier ce matin c'est pas moi qui vais prendre la parole la question a été dite c'est dit dans l'entretien le, merveilleux de Priscilla sur, euh, qui pointent les contradictions. Alors, moi, là, j'ai plus envie d'ouvrir. Et effectivement, toute la question, c'est l'articulation des liens numériques au lieu. Moi, je reste convaincu que les liens numériques ne tiennent que s'ils sont articulés à des lieux physiques, à savoir à des ronds-points. Et, et, et l'enjeu est là. S'il n'y a pas d'articulation de liens numériques à des lieux, donc l'occupation des lieux, ça ne marche pas. Et euh, je ne crois pas trop aux nouvelles armes. Je suis un peu euh, vieille école, ce qui marche, c'est l'occupation de la rue, la grève, les barricades, euh, enfin ce qui n'a pas bougé depuis la commune. Commune qui, par ailleurs, on vit une période assez... Euh, on dit, on sait bien, parce qu'il y a plein d'automédias, etc. La commune, c'est la période de Paris où il y avait le plus feuille de feuilles de chou qu'à sorti. Donc là, c'est plutôt bon signe. Ça prouve on est peut-être dans une. Mais euh, donc la question, c'est effectivement comment articuler. Euh, la... Bon, j'ai une question à Précilia qui disait L'avantage de Facebook, euh, c'est notamment que les gens y parlent sans étiquette politique et j'ai pu fédérer des groupes que je n'aurais pas pu fédérer euh, en, 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 en présentiel. Là-dessus, j'ai plutôt envie de poser la question, oui ou non, enfin, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est pas aussi euh, dans les ronds-points on apprend à euh, mieux se à surmonter les différences et à passer au-delà des étiquettes euh, de parti qui, en général... Euh, première question. Deuxième question. Après, c'était en regardant votre entretien, donc l'entretien de Fawzi euh, <coughs> sur quartier jaune. Euh, avec la censure qui n'a pas été évoquée, euh, que vous n'avez pas écouté, euh, donc euh, tu as été sujet sur CNews, euh, où, où effectivement, enfin euh, non, dans cette fois, on, on peut, voilà, le, le moment où tu l'évoques, coupé. Mais question, parce que vous êtes sur les deux, ça c'est une question à vous poser. Bon, alors oui, face à la censure, évidemment, euh, on comprend pourquoi on utilise ensuite euh, YouTube, euh, effectivement, pour pouvoir dire ce que la télé euh, t'a pas laissé dire. Mais la question, c'est quand même, euh, ton but c'est de toucher la masse et euh, tu touches plus la basse euh, en allant chez Hanouna euh, qu'en créant ta propre chaîne. Alors, Donc vous ça. êtes à la fois critique des médias, mais en même temps, euh, euh, vous y allez. Euh... Alors, je l'ai interviewé sur cathy Jaune pour expliquer ce qui se passait dans les banlieues, parce qu'en allant chez Hanouna, euh, à une émission où j'ai été chez Hanouna, à la fin de l'émission, je parle des banlieues, et pendant, au replay en fait, sur leur chaîne, ils ont censuré le moment où je parle des, des, des cités en disant que c'est aussi des gens qui galèrent, euh, majoritairement et que oui la délinquance il y en a mais il y en a aussi partout il euh, n'y en a pas que dans des banlieues et que, euh, et que voilà on a j'appelais euh, les gens des cités qui, qui en ont marre des, des injustices à venir leurs rejoindre ils ont censuré ce passage pour éviter que les personnes qui vivent dans les banlieues et manque de bol les personnes qui vivent dans les banlieues sont aussi dans les manifestations et sont aussi gilets jaunes et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce reportage avec euh, Faouzi parce que je voulais montrer que euh, bah, les gens des banlieues c'est pas une étiquette on colle aux médias de euh, arabes, terroristes, barbus qui veut tout voler. Et euh, voilà, c'est des gens comme tout le monde, peu importe leur euh, profession de foi ou pas, et peu importe leur couleur ou leur, ou leur sexe, c'est des gens comme tout le monde euh, qui sont gilets jaunes et qui se battent et qui, et qui sont avec nous. Quoi. Et donc euh, moi j'adore euh, Fauzi et, et je voulais montrer ça, une forme de censure. Qui tente à diviser en fait, tout simplement. Ça tente à soit mettre des étiquettes. Pour que les gens ne se parlent pas. Donc, euh, les étiquettes, on les a tous suivies. Hein. Vous êtes de gilets jaunes, vous êtes d'extrême gauche. Ça dépend de la chaîne, parce que des fois, vous êtes d'extrême gauche, mais des fois, vous êtes d'extrême droite. Ou alors, des fois, vous êtes fasciste, anti-démocratie. RIC, c'est vachement anti-démocratique. En fait, ils font des, des, des inversions euh, complètes. Ils sont en dissonance cognitive totale. Ils essayent de perdre les gens euh, en employant des mots, en leur enlevant leur sens. Et du coup, les gens ne savent plus. Alors, quand vous regardez la télé, c'est bon, les gilets jaunes, ils sont là, ils ne sont plus là. Ils sont de droite, ils sont de gauche, ils sont d'extrême, ils sont quoi en fait Et c'est pour ça qu'il faut faire ça. Et moi je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y, du... qu y ait des ronds-points, il faut qu'il y ait des lieux physiques où les gens. Mais de, 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 des assemblées générales, c'est ce qu'ils nous enlèveront pas. C'est ça qu'ils peuvent pas nous enlever. Ils peuvent nous mettre des gaz dans la rue, ils peuvent nous faire passer pour euh, ce qu'ils veulent, des tartufs euh, chez BFM ou sur C8, hein, pareil. Hein, parce que bon, lui, euh, anuna oui, j'y avais été, mais c'est pour faire du buzz, hein, qui, clairement, et lui, il s'en fout complètement. Euh... S'il n'y a pas ces assemblées générales, s'il n'y a pas ces ronds-points, s'il n'y a pas toutes les initiatives qui sont mises en place, ben en fait, euh, on retourne comme il y a 10 ans en arrière. Et puis, euh, Moi, j'ai appris et j'apprends tous les jours depuis un an et demi. Avant, j'étais comme beaucoup de gens encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Je comprends rien. C'est compliqué. On va me dire B, A, C. Ils des mots que je ne comprends pas. Et puis ils sont, de toute façon, une fois qu'ils sont en place. Donc, en fait, la seule différence résigné, voilà c'est ça. La seule différence c'est que maintenant, bah, il suffit de pas grand chose hein, pour avoir juste le petit package nécessaire pour commencer à se dire, ah ben, en fait ils nous prennent pour des cons. Mais vraiment, mais complètement. C'est à dire qu'en fait lui euh, c'est pas mon ennemi, ni toi, ni toi, ni, ni personne dans la salle en fait. Le seul ennemi qu'on a c'est l'argent et les choix qu'impliquent, qu enfin les, les choix que, 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 que prennent les personnes qu'on met en place pour diriger des pays. C'est ça l'ennui en fait. Il y pas, j'ai pas d'ennemis ici moi. Il y a des gens avec qui je ne serai pas d'accord, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que on va pas pouvoir aller boire un café ou j'ai pas d'ennemis. J'ai l'argent qui fait prendre de mauvaises décisions à des gens qui par corporatisme, par, par envie d'avoir une place ou par intérêt personnel, prennent des décisions qui sont contraires au bon sens. Voilà. Victor, je te relève à nouveau la parole. Tu es sûr Parce que. D'accord. Précélia, tu voulais la parole. Je disais. Je disais, et puis surtout, ils sont inquiets aussi, parce que parce que leurs leurs incohérences, ils en sont les premiers ben, au courant, ils en sont les premiers euh, euh, informés, et en fait, euh, et, y, ils arrivent à toujours passer par une énorme inertie, euh, tout à l'heure c'était très bien imagé par le, 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 un faisceau lumineux et, euh, face à des petites torches mais, euh, mais ce qu'il faut se dire c'est que, que les petites torches euh, en étant euh, nombreuses, eh bien, ça peut mettre en lumière euh, facilement euh, ce qu'ils ne veulent pas qu'on monte parce que tous les jours, en fait, il crée des événements et euh, il se, se, se donne une image, en fait. Et euh, moi hier, j'y étais aussi. Hein, euh, C'était, je participais à un, à un concours du meilleur artisan de France qui est euh, sponsorisé par RMC. RMC, c'est BFM TV. Et je peux vous dire que quand je leur ai parlé de comment ils traitaient, euh, en fait, euh, la on veut valoriser la filière du bois et à côté de ça, on balance, euh, je ne sais pas combien c'est de mètres cubes. Euh, mais c'est colossal, c'est peut-être des, des milliers de mètres cubes euh, dans des BNDIB sans même trier, mais quoi que ce soit, les, les, les expositions, c'est quand même une honte absolue, quoi. donc ça représente euh, une petite dizaine de métiers, aujourd'hui c'est juste la deuxième édition, donc euh, les charpentiers viennent juste d'intégrer cette, euh, cette, euh, cette édition, là, cette, cette année, et, euh, et ben, le bois a été... Euh, a été euh, à voilà, la même valeur que, que le reste, que le verre, que le plastique, que tout ça, ça a fini dans des BNDIB, et je pense qu'ils les enverront euh, euh, peut-être hors des frontières de l'Europe, histoire d'être vraiment bien tranquille. Mais, euh, mais voilà, mais ça, tout ça, euh, le fait juste de mettre le doigt dessus, mais alors, mais... c'est On sent le, la sensibilité, mais absolue, et eux, ils font tout pour... Euh, ils, se, ils sont constamment en train de, de, de se créer une image, et... Euh, et voilà, et en fait... Ben leur force, c'est leur inertie et c'est leur puissance. Voilà. Ouais, je veux bien réagir aussi. Euh, ouais. euh... Attends, tu, tu, veux, tu veux poser une question au... Oui, reposer. Le, oui, le, le, tu parlais d'une plateforme alternative. Moi, c'est le, le, le rapport à Facebook. Parce que pour résumer, en, en gros, ça va être dur d'avoir une démocratie technique avec une technologie non démocratique. Euh, et euh, ici, il y a dans la salle des, euh, à la fois des gilets jaunes et des mouvements euh, des militants du libre et des communs. Euh, et la question, c'est est-ce que tu as pensé à d'autres plateformes que Facebook euh, Enfin, déjà, j'aimerais que tu me racontes le truc d'administrateur, parce que ce que j'ai réalisé, c'est que tu faisais un, un, un métier politique quasiment. Est-ce que euh, diriger, administrer un groupe d'un million de personnes, est-ce que c'est euh, être comme un chef politique Et tu évoquais, euh, est-ce que tu as pensé à, à changer de plateforme à, pour des plateformes dont tu comprends mieux, les, euh, dont tu as plus de visibilité sur les propres euh, paramètres, euh, sur les algorithmes, et possiblement où tu peux toi-même euh, mieux comprendre les, les, les choses ça va être des choses qui vont être disculées cet, 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 cet après-midi en atelier, mais je pense que c'est euh, important de l'évoquer, débattre je Vu toutes les questions, il faut qu'on boive un café, je pense. <laughs> mais je veux, je veux bien réagir à certaines choses mais, et répondre à quelques-unes. Euh, par rapport à ce que j'ai entendu, effectivement, moi personnellement, j'ai beaucoup appris aussi. Je pense que pas mal de personnes sont montées en compétence sur plein de sujets parce qu'il a fallu pallier à des, à des manques. Euh, faute de financement, par exemple. donc Beaucoup se sont mis à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant, mais tout le monde a dû monter en compétence, je pense, sur ce sur quoi ils se sentaient le plus à l'aise. Du coup, euh, comme moyen d'expression, il y a les gens qui ont créé des radios, des, des, euh, même des, des papiers, un peu des éditos, des gens qui se sont mis à faire ça. Tout à l'heure, j'entendais parler de tracts, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal ce genre de choses. Et, euh, et, et je pense que comme on s'est tous saisis à notre manière. Euh, euh, d'un canal de communication sur lequel on était à l'aise, on a à chacun à notre niveau été censuré d'une manière ou d'une autre, soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter on pratique vraiment beaucoup la censure. Moi, j'en suis personnellement aussi, euh, euh, si on peut dire victime, mais en tout cas, je suis euh, aussi concerné. Et, euh, et, et l'autre censure, c'est effectivement celle des médias mainstream sur certains sujets. Donc comme c'est comme là, effectivement, il n'y a personne. Sur d'autres sujets, les assemblées, il y, y a quelques médias, mais pas. pas pas toujours, et quand on les convie à venir sur des sujets précis parce qu'on avait besoin que ce soit communiqué pour montrer un autre visage du mouvement que celui que montre par exemple BFM, euh, c'est compliqué, ils viennent pas parce qu'il n'y a pas de sensationnel, il n'y a pas de buzz. Quoi. Et, euh, et c'est assez gênant parce qu'effectivement, je rejoins Faouzi quand il dit qu'on est dans une guerre de com' parce que c'est que ça. On, on est beaucoup plus mobilisé, enfin je pense qu'on on est beaucoup sollicité et on a beaucoup d'énergie à mettre contre. Euh, cette mauvaise communication qui font du mouvement, plus que quand on marche dans la rue pendant deux heures. Quoi. Et c'est assez, assez exténuant parce qu'on est, est toujours en train de rétablir certaines vérités. Et personnellement, je le vois euh, par rapport à l'impact que les chaînes mainstream peuvent avoir sur le, mon entourage personnel. On voit tout de suite comment l'information est intégrée par les gens et comment il faut tout de suite qu'on la rétablisse d'une manière ou d'une autre. Et on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Et pour ce qui est de BFM, moi, la première, j'ai utilisé largement les médias mainstream. J'ai fait que ça. Je les ai contactés pendant un mois. C'était pas pour que quand ils ouvrent la porte, j'y aille pas. Quoi. Donc quand ils ont ouvert la porte, je me suis déchaîné pour faire l'appel du 17 novembre parce qu'Eric n'avait pas accès à ce moment-là aux médias. Donc je communiquais ses coordonnées pour qu'on se partage le travail. Mais, mais à ce moment-là, oui, je me suis servi de BFM, clairement, parce que c'était une manière de rentrer dans les salons. Parce que tout le monde regarde ça, effectivement, dans les cafés, comme, comme vous dites. Et, euh, et dans les foyers, c'est BFM et d'autres euh, médias comme CNews. Et effectivement, il fallait passer par là. Donc, euh, on s'est tous servi les uns des autres à un moment donné pour pouvoir faire passer nos messages. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de gens, dans cette montée de compétences, ont même créé, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des médias encore, officiellement, mais en tout cas, ont créé leurs propres moyens de com pour diffuser l'information et, euh, et, et l'amener soit par les réseaux sociaux, soit d'une autre, fa autre façon. Et, euh, et je pense que oui, c'est euh, on peut se poser la question de comment faire pour pour que ces médias-là soient pas euh, omniprésents, et, et ça passe par la réécriture des règles. Moi, je crois beaucoup en la réécriture de la constitution, et dans, ces, dans cette constitution ou dans d'autres. Euh, de, par d'autres moyens, il y a une, une redistribution des, des, des rôles à, à faire. En fait, même en, si on parle tout simplement de l'entrepreneuriat, pour juste dévier rapidement, c'est pareil. Que le, le même, la même population n'a pas accès aux moyens de communication. C'est-à-dire qu'un petit entrepreneur va pas avoir sa, 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 sa boutique euh, sur TF1. Parce que ça, ça, ça coûte énormément. Ce sont toujours les mêmes qui ont accès aux grands moyens de communication. Et ça, il faut que ça change. Et ça, ça doit être écrit pour que ça change. Il faut que ça devienne réglementaire ou que ce soit voilà, dans, dans, les, dans les lois. Et ça, tant que, tant que nous, à notre niveau, on n'aura pas accès à ça, on aura diffi une difficulté à les, à les déloger. C'est un, un premier merci. début. Ouais. Euh, J'ai encore trois prises. Ça va être long parce que je pense qu'on commence je... à avoir faim et j'aimerais aussi pouvoir donner la parole au public. Donc là, en fait. Je vais donner la parole à Benjamin Coria, Dominique Cardon. C'est juste pour dire que je comprends parfaitement, et je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, l'importance de Facebook, du Facebook Live, etc. Et ça a joué un rôle absolument central. Mais en tant que libriste, compte tenu de l'extraordinaire créativité des plateformes libres, des plateformes en commun qui sont en cours de développement, etc. Je crois qu'on a, on a vraiment un défi devant nous. Il faut être capable de fabriquer des outils que nous maîtrisons, dont nous allons fabriquer des architectures, qui en plus pourront être en lien avec les assemblées, parce que le, la, la rencontre des personnes, la délibération des personnes, la retranscription de ça... Dans des, euh, 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 dans des forums plus importants euh, comme, comme, comme ceux des plateformes numériques. C'est vraiment un des défis fondamentaux. La, 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 la démocratie que nous avons à construire hein, et qui est le préalable à la prise de décision et à la transformation, d'ailleurs, ça marche en même temps, c'est vraiment celle-là. Hein, C'est-à-dire, c'est faire fusionner la plateforme et l'assemblée. Et pour ça, le commun et le libre sont vraiment des outils fondamentaux. Quand on s'est parlé, Igor, je t'ai dit qu'il fallait faire venir ici des gens de Framasoft qui fabriquent. Euh, ce genre de plateforme, je pense qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont ah, là. Et je pense qu ils s'exprimeront. Ils s'exprimeront dans l'après-midi. Mais il faut prendre au sérieux cette question-là. Hein. Je veux dire, on n'a pas de démocratie si on n'a pas le contrôle de la technique. Et on, peut pas, on ne peut pas construire la démocratie en étant entre les mains de Facebook. C'est impossible. Merci. Moi, moi c'est un, un tout petit mot, une sorte dans ce, euh, ce dialogue avec, avec des chercheurs. Quand, quand on travaille sur le numérique depuis très longtemps, je pense que Laurent sera assez d'accord avec moi, on n'en peut plus... de ouais, on fait un peu les vieux qu'on mais la, la séparation entre le, le réel et le virtuel. Et il y a dans la discussion, il y a un petit truc, rond-point, réseau se joue et je pense que c'est une représentation Alors, on a tous ça dans la tête, c'est complètement inscrit dans cette affaire, il y aurait une vérité, une authenticité euh, de, du contexte local et puis il y aurait une sorte d'artificialité du truc, on a toujours ça dans la tête, moi je voudrais vraiment vous dire tous les travaux de, de recherche sur ces questions montrent que c'est complètement articulé les uns aux autres, je sais que les publics ne se recoupent pas complètement et que donc il y a des différences mais que c'est dans les usages de ces articulations qu'il faut entre eux numérique et, et, et contexte qu'il faut les penser. Il y a plein de technologies dans une discussion de rond-point parce que l'information a circulé, et a traversé les gens, les subjectivités et les débats concrètement. Et il y a plein de contexte et de réel dans un Facebook Live qui se transporte etc. Donc faut, moi je pense si ce point devient une sorte de tension politique à l'intérieur du mouvement pour dire bah, il y a ceux du rond-point puis il y a ceux de Facebook et puis il y a, il y a ceux qui ont obtenu une représentation et une légitimité à travers Facebook et d'autres qui l'ont obtenu à travers le rond-point des assemblées je pense c'est une erreur politique voilà, J'ai je, je, une question à te poser. Pourtant, quand on interroge les Gilets jaunes, ils te disent qu'ils vivent deux expériences différentes, selon qu'ils sont sur des plateformes ou selon qu'ils sont sur les ronds-points. Et donc, si à ton avis, euh, il, il ne s'agit pas euh, d'opposer réel et virtuel, où est-ce qu'à ton avis, tu pourrais expliquer euh, la différence voilà. Laure, on, peut répondre. on vit tous des, des expériences absolument diverses sur Facebook. Il n'y a, a, a pas Facebook d'un côté, c'est faire vraiment du déterminisme un peu technologique comme ça pour dire tout le monde sur Facebook vit le même genre d'expérience. En réalité, on vit, nous vivons tous des expériences qui sont articulées différemment entre nos engagements euh, en concret, euh, in real life, et puis euh, la circulation d'informations qui nous traverse tous, même euh, presque les, les non connectés. Est-ce que tu ne penses pas, ça c'est une thématique qui me tient à cœur personnellement, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une question précise à l'endroit des affects Ça veut dire que les affects ne se transmettent pas. Euh, ne s'exprime pas de la même manière selon qu'on soit euh, sur une plateforme ou selon qu'on soit en présentiel. Et donc, du coup, ça, ça, ça va changer l'expérience et notamment. Non, la... mais je m'adresse aux deux. Ça va changer l'expérience c'est l'expérience politique. Non, non, mais ce que je voulais juste ajouter, donc là, c'est un peu la critique que qu'on appelle le dualisme digital, cette opposition virtuelle-réelle, en effet, qui est un, un lieu commun. Le, le fait est, bon, moi, c'est un peu ma, ma, ma focale aussi, c'est-à-dire on va dans un, sur un rond-point, souvent avec son mobile on s'envoie des SMS, des WhatsApp, parce qu'on se coordonne avec le mobile. Donc c'est un peu l'outil numérique quand même qui permet de couturer euh, ce, ce dualisme, parce que justement ça crée une continuité. Et j'imagine que euh, lorsque vous parlez de, de ce dispositif apprenant, euh, j'imagine aussi que euh, sur le rond-point, ben on a aussi la possibilité de temps en temps d'aller se dire, tiens, on va regarder sur Wikipédia euh, qu'est-ce qui se dit. On va... Donc, cette circulation du savoir, elle vient. Elle, elle vient regardé sur Wikipédia Non. Je dis Wikipédia parce que c'est libre. Ouais, <laughs> ah, bon. Euh, mais voilà. Et bon, mais ça, 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 ça n'enlève pas la question du le mobile et, et d'un des outils. Ah, mais, oui, moi, on n'a pas, tout à l'heure, quand, quand j'ai présenté les choses, comme on est sur démocratie numérique, il y a une espèce de fascination et on était sur un tropisme. Donc moi, j'ai simplement ramené des faits, je ne sais pas si c'est le réel, je ne fais pas de l'idéologie de la proximité et tout ça, je dis simplement, par exemple, quand il y a une assemblée, c'est le cœur. L'Assemblée, il y a des délibérations, tout, les pancartes, le fait qu'on soit là aujourd'hui, le fait qu'on a deux collègues qui sont à l'ADA, qui, qui, qui voilà, qui représentent, qui ont un mandat pour parler, pour, pour travailler, tout ça, tout ça c'est revenu au niveau, euh, au, au niveau local. Donc moi je posais la question, et c'est vous qui avez mis réel virtuel, j ai, j ai, Voilà, je ne l'ai pas mis du tout, mais je dis simplement, j'ai dit, il y a des faits, euh, voilà, voilà les faits euh, attrapés, comment ça fonctionne, voilà euh, l'intérêt, ce que je vois par ailleurs hors. Même si ça s'hybride et tout ça, hors question purement numérique. Voilà, donc la question de l'articulation, elle est là. Et je pense qu'on a besoin de figures pour représenter ça. Il y en a deux qui me semblent intéressantes. Benjamin a dit tout à l'heure, je crois, et il a parlé d'archipel. Donc on est toujours, moi qui suis géographe, on représente toujours des, des, des surfaces, des continuités. Non, l'image de l'archipel ou des lucioles de Pasolini, je, je la trouve bien. Puis on a une deuxième qui a été prise par les, des jeunes architectes d'un collectif qui s'appelle Encore Heureux à la Biennale de Venise. Ils avaient parlé des, des, des lieux infinis. Et je pense que c'est intéressant de se dire sur ces ronds-points, le, le fait qu'on apprenne, alors, ils sont limités. Hein. C'est une cellule de base presque anthropologique. J'ai suivi aussi nuit debout. C'est la même logique. C'est 40, 50 personnes. C'est à peu près ces logiques-là. Mais le fait que d'un point à l'autre, il puisse y avoir ce lien, on s'augmente parce qu'on apprend, on partage, on partage, on apprend tous les jours quelque chose. Véronique, Véronique l'a dit, et on fait partie d'une figure qu'on qu n'a pas l'habitude de, de, de penser. C'est vraiment celle de l'archipel, c'est-à-dire qu'il faudrait que les, les Gilets ou de la Seine c'est-à-dire avec avec euh, avec un dispositif matériel avec avec euh, peut-être des valeurs avec des gens qui circulent d'un endroit à l'autre ils, ils font partie des gens qui circulent on l'a vu passer euh, pas loin du rond-point donc euh, voilà des, des circulations et, et, et de l'information mais il faut qu'on qu fabrique des images qui nous permettent de penser cette articulation et absolument donc si, si si vous pensez que, que, que c'était le réel contre le virtuel, absolument, absolument pas. Mais il faut des lieux de l'hybridation. Le rond-point est hybride et, et, et sur le, le, les réseaux, il y a des formes d'hybridation. Mais il ne faut pas laisser celles et ceux qui sont à côté pas encore dans le mouvement, ou celles et ceux qui sont dans le mouvement et qui, et qui ne sont pas connectés euh, à, à côté. Voilà, donc c'est comment on peut, et ça passe par des images, je pense, des formes. Bon, on va s'arrêter là parce que là, on a, on a explosé no, notre temps. Euh, surtout si je veux euh, donner encore cinq minutes de parole au public, c'est bien pas assez. Et encore une fois, j'espère que l'effet de frustration fonctionnera. Tu voulais dire un mot, Dominique ou... Non, non. D'accord. Est-ce qu'il y, est qu y a deux, trois questions rapides Je suis désolé, hein, mais c'est... Voilà. Euh, on va... Bon, il y en a beaucoup plus. Euh, ah tu veux. Bah, Peut-être le monsieur là devant. Deux, trois questions rapides. Alors j'aurais justement deux questions rapides. Euh, la première, c'est est-ce que le mouvement euh, qui est ici est-il euh, assez mature pour réfléchir et proposer des réformes de nature constitutionnelle Et la deuxième question, c'est comment on fait pour euh, passer des assemblées délibératives euh, qui sont sur les roues-points aux assemblées délibératives dans les quartiers, dans les villes et au-dessus euh, au niveau de la nation, si on, si on peut dire, tout en, restant, euh, tout en évitant l'entre-soi et, et, et évidemment l'exclusion euh, de certains par rapport à d'autres. Bonjour et merci pour vos interventions. Je suis Annick Dolanet, de l'EHESS, je suis doctorante en anthropologie et euh, il y a deux ou trois choses qui m'ont énormément interpellée lors de vos... Très intéressante communication ou réflexion. Euh, et j'aurais voulu, avec la distance euh, géographique et la distance également, euh, je dirais, euh, euh, physique ou cognitive, peut-être, qui existe entre la France métropolitaine et les Outre-mer, euh, que vous m'expliquiez euh, comment. Euh, beaucoup de chercheurs en sociologie euh, ou en anthropologie ne se sont pas intéressés au mouvement LKP 2009, l'ionnage contre profitation, qui est le cœur même du sujet dont on débat ici, parce que j'ai entendu, euh, on nous prenait pour rien, on ne nous répondait pas, euh, c'était des membres de ma famille qui étaient concernés et qu'on traitait comme des rien. Euh, ce sentiment anime les Outre-mer depuis toujours. Et depuis 1848, où euh, nous sommes censés être des citoyens français, mais uniquement des lois d'exception sont appliquées dans ces territoires-là. Alors avec cette distance euh, géographique, hein, j'ai bien posé ma question, j'aimerais euh, savoir euh, euh, si certaines personnes s'intéressaient déjà euh, à l'Internet, aux réseaux sociaux. Parce que croyez-moi, ce sont les réseaux sociaux qui ont fait remonter ici, euh, en France hexagonale, euh, ce mouvement avant que les médias traditionnels s'en emparent. C'est-à-dire TF1, euh, France 2, etc., Mediapart, euh, ces personnes-là s'en étaient emparées avant, parce que justement des blogueurs antillaient, en parlaient, en discutaient entre eux grâce à l'Internet. Je vous remercie. Merci à vous. On va prendre une troisième et dernière question. Il oui, y a encore deux personnes, je crois, là-bas et ici, peut-être. C'était une question pour, la, pour, la, pour que vous puissiez la poser à la salle. Tout à l'heure a été demandé combien il y avait de représentants des, des mainstream, des, des, de la presse, des médias mainstream. J'aurais voulu savoir si vous pouvez poser la question ou, ou je la pose directement. Est-ce qu'il y a des représentants de nos élus politiques qui sont là Parce que je pense que c'est aussi important. Euh, donc, est-ce qu'il est qu y a un, un élu, quel que soit le, le niveau C'est quand même grave. Euh... Surprise. Vous parlez beaucoup de, enfin, de, de, de nouveaux types de démocratie qui pourraient exister pour un peu cranter sur ces mouvements et donner quelque chose de plus concret par la suite. Ce qui est rigolo, c'est qu'au moment même où Macron. Euh, et nuclé, les gens euh, tapent euh, partout sur les manifestants. Il y a une expérimentation démocratique qui, au sein même de son gouvernement, a poussé, qui est la convention citoyenne sur le climat. Euh, qui, je ne dis pas que c'est la panacée, que les résultats vont être euh, euh, forcément suivis par le gouvernement, ni que ça va permettre quelque chose d'intéressant. Mais c'est quand même les conventions citoyennes, euh, des réponses intéressantes, à la fois démocratiques et en termes de démocratie technique, qui peuvent être utilisées pour régler ce genre de problème. Hein, C'est le fameux, si on avait fait une telle convention avant de baisser la vitesse sur les routes, peut-être qu'on n'aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc ma question, de façon très courte, comment le mouvement des Gilets jaunes, si tant est qu'il puisse être homogénéisé de la sorte, va discuter avec cette convention, en faire quelque chose, la défendre peut-être quand on leur a pris des décisions par la suite. Merci. On, je pense que dans la question qui en est posée, on est quand même assez loin de celle de l'expression et l'expressivité. Oui. Oui. Bonjour et merci, euh, Merci, Gord, de cette organisation. Je suis très content euh, de ce lien entre le virtuel et le terrain, parce qu'effectivement, il est au cœur de, euh, de faire du lien, faire du lien pour obtenir du nombre. Je crois que c'est bien le thème. Et euh, donc, je, il est évoqué des plateformes numériques. Mais il est aussi euh, la possibilité actuellement, c'est comme ça qu'on s'organise, euh, de faire avec ce qu'on a, voilà. à moindre coût. Parce que qui dit plateforme dit coût ou disponibilité de développeurs. Et ça, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est très très bien qu'on fasse tous du lien et qu'on reste en lien pour construire ces outils. Donc, euh, où peut-on avoir les adresses de tout le monde <laughs> Voilà la question. Okay, on va se coordonner après. Euh, les Merci pour ces questions. Je passe la, la parole euh, aux intervenants. Je crois que Maxime, tu voulais réagir. Euh, moi, je fais très très vite euh, par rapport à, à ce qui a été dit tout à l'heure, et puis ça répondra aussi à une question. Euh, le lien entre le, le, le réel et le virtuel, c'est un outil, en fait. Et il y a d'autres outils qui vont être utilisés. Il nous faut euh, des musiciens qui fassent de la musique sur ce qui se passe. Il nous faut des artistes, des peintres, euh, des euh, gens du cinéma, des chercheurs, etc. Parce que toutes les... Façon, tous les modes d'expression sont nécessaires à partir du moment où euh, ils sont, encore une fois, et qui font preuve de bon sens. Euh, je laisse Priscilla s'exprimer sur les dom J'ai des contacts aux dom -toms aussi, hein. on parle beaucoup euh, euh, aux personnes. Alors moi, c'est la Réunion plus, mais euh, Priscilla, mais à la Réunion d'ailleurs, bonjour à vous. Merci, oui, par rapport à... Moi, je vais bien réagir sur les dom -toms et sur la Convention pour ce qui est... Euh... Les Outre-mer, effectivement, le mouvement 2009 fait écho à ce qui s'est passé ici, parce que de toute façon, ça a démarré de la même manière avec la taxe sur le carburant. Et, euh, et c'est intéressant de parler de pourquoi ça n'a pas été médiatisé et pourquoi il n'y a pas eu peut-être plus de soutien. Je sais que c'est euh, assez euh, amer là-bas, le constat qui est fait qu'il n'y avait pas eu de soutien par rapport à ce qui s'est passé en 2009. Et euh, il y a des Gilets jaunes sur place. À La Réunion, ça a démarré très fort. Euh, ça a d'ailleurs donné naissance par ricochet à la plateforme du vrai débat. On parle d'outils numériques, mais c'est à la réunion que ça a démarré. Et, euh, et pour ce qui est de la Martinique et de la Guadeloupe, il y a eu des petits groupes de gilets jaunes. Il y en a encore euh, une petite, petite résistance qui travaille avec les collectifs qui sont sur place. Et il euh, faut savoir qu'en août prochain, France O ferme, euh, contrairement à ce que Macron avait promis. Et France O euh, était la seule fenêtre télévisuelle sur les Outre-mer. Et on aura, il n'y en aura plus à partir du mois d'août. Donc, ça va être encore plus compliqué de savoir ce qui se passe là-bas. C'était déjà pas facile parce qu'il y avait des informations qui étaient complètement bloquées au niveau des outre-mer, qui ne venaient pas jusqu'à France Ô. Oh, C'était volontaire pour justifier la, 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 la soi-disant, euh, enfin la, la, la fermeture qui va avoir lieu en août, qui est justifiée soi-disant parce qu'il y a une baisse d'audimat. Sauf qu'il y a une baisse d'audimat parce que les programmes proposés par les, les employés sur place n'étaient pas euh, validé par la direction et qui donc justifie aujourd'hui qu'il y a une baisse de 10 maths. C'est sûr que quand on dit qu'on a une chaîne d'infos et qu'on diffuse des télénovelas, c'est certain que les gens ne vont pas regarder. Donc aujourd'hui, euh, cette fenêtre, elle va disparaître. On a le France Anti là-bas qui va dire. Xavier, il propose de reprendre, mais en tout cas, c'était en liquidation judiciaire. Donc c'est assez compliqué quand il n'y a pas beaucoup de médias indépendants et que en, les mainstream en plus ne font pas le boulot euh, pour que les informations circulent correctement. Et effectivement, ça ne, ça ne, pour moi, ça alimente davantage la division entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de soutien, alors qu'il y en a, mais que c'est pas communiqué, c'est différent. Donc c'est assez, assez difficile pour ma part, et Maxime était en lien aussi, mais pour ma part, je suis beaucoup, beaucoup en contact avec eux régulièrement, très régulièrement. D'ailleurs, le, le, le groupe de Gilets jaunes à la Martinique fait partie de, du, de la fédération d'associations qu'on qu a créée, dont Faouzi est aussi euh, cofondateur, qui s'appelle la Ligue citoyenne. Et, euh, pour être encore plus visible et pour essayer que les luttes locales soient beaucoup plus euh, entendues, ils ont, ils ont euh, intégré cette fédération d'associations, mais ils œuvraient déjà euh, aux côtés des différents collectifs qui y a sur place. Donc je pense que cette euh, guerre de communication dont on parlait tout à l'heure est, euh, est valable autant sur l'Hexagone et, et d'autant plus dans les Outre-mer. Si je peux réagir aussi sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est intéressant qu'on soit ici à, à plusieurs profils, parce que c'est typiquement cette, cette configuration qui a donné naissance à la Convention citoyenne pour le climat, puisque début janvier, euh, ce sont des chercheurs, des euh, sociologues, des, euh, des personnes issues des, des luttes. Euh, pour l'environnement, pour la préservation de l'environnement et Gilets jaunes qui se sont réunis autour d'une table en, en disant on va faire une lettre ouverte, on va demander au président de se justifier sur les, les résultats du, du, du grand débat, pardon, qui qu crée des outils démocratiques et qu'il crée une assemblée citoyenne pour le climat, la fiscalité et la démocratie. Le 25 avril, Macron a annoncé qu'il créait la convention citoyenne, mais uniquement sur le climat. Il a rebaptisé ce qu'on avait demandé comme assemblée citoyenne en convention citoyenne. André, qui est ici présent, qui s'est manifesté tout à l'heure sur une question au niveau des réformes constitutionnelles vient de faire une pétition euh, qui a recueilli déjà en quelques jours 55 000 signatures pour demander à ce qu'il y ait une création d'une convention citoyenne sur la réforme des retraites. Donc c'est intéressant la question qui est posée, qui dit, voilà, est-ce qu'il y a du soutien de la part de la population C'est encore un autre problème au niveau des médias, parce qu'il y a eu beaucoup de papiers, sur la convention citoyenne et sur la vraie origine. Parce que Macron a dit Je vous écris une convention citoyenne comme s'il avait l'intention de nous écouter un jour. Euh, sauf que l'idée ne vient pas de lui parce qu'il n'avait aucune intention de, de tirer au sort des gens et de les faire s'exprimer, les faire travailler. Or, ils bossent, ils bossent dur. Et ils ont demandé un soutien de la population à plusieurs reprises ils ont demandé aux médias de s'exprimer à plusieurs reprises. Euh, sur cette convention et sur leur travail. Alors les, les papiers, les journaux ont communiqué dessus, mais les médias mainstream, à la télé, ne communiquent pas dessus. Ils ne sont intéressés que par le résultat et, les, et le retour de Macron sur les mesures qui ont été co-construites par ces citoyens-là. Donc on fait comme on peut avec le collectif des Gilets Citoyens dont je fais partie avec André. On fait comme on peut pour que euh, pour qu'il y ait un intérêt de la population vers ces, ces travaux-là. Et, et là, ce, qu ce qui est encore plus triste, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais ce que je trouve moi personnellement triste, c'est que justement, puisqu'il n'y a pas d'écho et qu'ils en ont ras-le-bol, ils ont demandé à Greta Thunberg de venir à leur, à leur convention, assister à leurs travaux, pour qu'il y ait un écho. Parce que la faisant venir... Les médias vont s'y intéresser parce qu'ils s'intéressent qu'à du sensationnel. Ils en sont là, en fait, alors qu'ils sont presque à la fin de leurs travaux parce qu'il n'y a pas de communication et parce que les gens aussi. Alors, c'est vrai, il faut le dire, au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi ailleurs, il y a une grosse défiance, une grosse méfiance vis-à-vis -vis de, de cette convention parce que Macron l'a mise en place et parce que c'est Macron et parce que c'est le gouvernement et parce que c'est institutionnel. Sauf qu'ils travaillent dur. Ce sont des personnes, vous pouvez aller à leur rencontre, ils ont organisé plusieurs cocktails, ils appellent ça des cocktails, je crois. Je ne sais plus, André, tu peux peut-être me corriger. Mais bon, des rencontres, en fait, entre, entre eux pour pouvoir communiquer. Euh, avec la population, ils invitent les gens à venir discuter avec eux, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de succès sur ces rencontres-là, mais vous pouvez aller leur parler, aller, leur, aller les voir, aller leur demander s'ils sont manipulés ou pas, ils sont tout à fait accessibles, mais, euh, mais c'est pas facile, quoi, parce qu'il y a une barrière. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, donc c'est aussi un appel aux, aux automédias pour pouvoir s'intéresser peut-être à, à ce que vous faites. On va, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, c'est bien, ça montre qu'il y a beaucoup de, de vitalité, mais là, il faut aller manger.